Et bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel opus donc de Be Human avec Tamara. Ce soir c'est bien les mots magiques, hein, c'est bien ce soir. Hein. La dernière fois j'avais mis le mauvais visuel. Bon ça a été corrigé, j'ai vu. Il y a la petite fée, elle est passée, elle a corrigé derrière. Donc tout va bien. Ce soir donc j'ai hâte de connaître ces mots magiques parce que moi enfin je les ai vécus les mots magiques avec Tamara. On a su à un moment donné de ma vie dire les mots magiques. Hein. Donc je pense que je vais les retrouver un petit peu ce soir. Hein. Voilà. T'as mis des paillettes dans ma vie, Kevin. Hein. Enfin Oh, Tamara. Hein. Voilà. des étoiles, pas des Des paillettes. étoiles. Ah, ouais, c'est ça. C'est la fée. Là, fais ta barre. Alors, on va te mettre tout de suite à l'antenne, hein, c'est ça. Alors, il faut juste que je retrouve l'écran. Tac, te voilà parmi nous. Je vais te mettre en géant. Ah, tiens, je te vois plus. T'es où? Elle a disparu. Je repars. Ça y est, t'es revenu. Hop. Il faut que je mette en grand écran. Vue fenêtre, vue présentateur, vue flottante. Ok. Désolé, dans les aléas de la technique, je sais pas pourquoi partager l'écran. Ah, vous entendez Ah ouais, c'est ça. Oui, d'accord. On va y arriver. Donc, hop. Entrée quand vue grille. Voilà, donc ça, on l'enlève. Tac, tac. On le sort. Hop. Oh, tiens, pourquoi il me donne cette fenêtre là sur le côté? Donc je vais essayer de l'enlever. Désolé, hein, c'est les aléas du direct. Donc je vais vous mettre en transition Tamara ici. Ah, c'était une capture, ça sert strictement à rien. Non plus. Ah! Passer en mode plein écran. Mais j'y suis, je comprends pas. Tiens, une nouveauté de Skype, certainement. Bon, ben on va voir toute ma liste d'amis, hein, c'est pas grave. Je mets la transition. Tac, et te voilà. Oh, bonsoir, bonsoir Tamara. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Voilà, mais bonsoir à tous. Laetitia, t'es toujours avec nous? Elle est toujours en mute. Laetitia. Si je suis là, je m'étais trompée de bouton. Voilà, Laetitia, t'es avec nous. Et ma chère et tendre. Hein. Bonsoir. Vous avez entendu Gabriel et Tonia et parmi nous. Voili, voilou. Alors, je te laisse introduire cette nouvelle partie de ta formation. Hein, on est tout ouïes, on est tous là, on est tous impatients. Ok, ben merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Donc ce soir, on va se retrouver sur le quatrième volet, sur les mots magiques. Donc D'accord. ouais, comme tu disais Cyril, on va explorer un petit peu plus en détail ce que c'est que ces mots magiques, comment les utiliser. En fait, derrière cet intitulé un petit peu féerique, bon pour ceux qui me connaissent, ça surprendra personne. On va surtout apprendre à se responsabiliser avec notre parole à nous. D'accord? Donc on va prendre conscience un petit peu de cette chance que l'on a de pouvoir verbaliser, mettre en mots, mais qui peut être en même temps, comment dire, autant blessante que ressourçante. Voilà, c'est ce qu'on va étudier aujourd'hui. Ok. Si c'est OK pour tout le monde. Avant Alors. ça, comme on l'avait proposé la dernière fois, Oui. revenir un tout petit peu sur le précédent atelier, puisque le temps que les personnes testent, fassent leurs exercices, bah, les questions peuvent arriver un petit peu après. Alors, j'ai vu qu'on avait des questions dans le chat d'hier. Oui, On avait fait il le y avait 1, Benjamin qui c'est avait ça? posé tout un tas de questions, on les avait relevées. Ok. Ok. Alors, par où est-ce qu'on commence? Par quoi est-ce qu'on commence? Sur les questions de Benjamin, peut-être? Alors, moi, j'avais noté, au passage, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a aucun message qui est supérieur, on rencontre mon message contraignant? Qu'est-ce qui se passe si on n'a aucun message à la fin du scan qui soit supérieur à 25? Eh bien, félicitations, Benjamin, ou qui que ce soit, ok, si Crâneur. on n'a pas de message qui dépasse les 25, c'est quand même plutôt une très très bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on n'a pas été
tant que ça, programmé, conditionné, ou alors qu'on a déjà fait ce travail d'aller les dépasser, d'en prendre conscience et de plus leur donner autant de pouvoir sur nous, à ces messages-là, d'accord? Donc, c'est plutôt une très bonne nouvelle. L'idée, c'est quand même d'avoir le moins de score possible hein, sur ce scan. J'espère que vous l'avez bien compris. Hein. Pour la petite anecdote, moi, je me souviens en formation d'une jeune fille, après avoir fait le test, qui levait la main en étant, mais limite trop contente, elle disait, moi, j'ai 30 partout. Ouh. Wow. Ok, on va voir en détail, c'est pas une super bonne nouvelle. Donc l'inverse, ouais, pour le coup, moins c'est mieux. D'accord? Donc c'est plutôt une très bonne nouvelle. C'est que le conditionnement n'a pas trop opéré ou tu as réussi déjà à le dépasser, à prendre conscience et à le dépasser. Ensuite, on avait la question, est-ce qu'il faut refaire le scan? Et si oui, à quelle fréquence? Bon. Bah, chacun est un petit peu son propre coach, son propre chef là-dessus. Vous allez découvrir plein d'autres outils. Moi, je vous préconise d'aller en profondeur sur chaque outil. Après, ce n'est pas forcément nécessaire de vous donner tout ce cadre restrictif, j'allais dire, de ah, il faut que je fasse ça une fois par semaine, il faut que je le fasse ça une fois par mois. On l'a vu, normalement, le il faut, je dois, il n'y en a plus dans notre vie. Il n'y a que ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Donc, en termes de préconisation, pour vous donner un exemple, je vous invite, moi, à le refaire, ce scan. Lors du dernier cours, on sera en cours 10, alors qu'il est arrivé en cours 3. D'accord? Logiquement, on aura déjà atteint un certain stade de conscience, on aura déjà bien évolué quand on sera arrivé à la fin de cette première partie de la formation. Ça pourrait être sympa à ce moment-là de regarder. Ouais. Donc il n'y a pas d'obligation. C'est ça qui est important. Hein, habituez-vous à ce que je vous remette à vos pleins pouvoirs, en fait. Hein, vraiment. Est-ce qu'après le risque de le faire trop souvent, ce ne serait pas justement de piper un peu les dés en essayant à tout prix de faire baisser les scores en disant ah oh, ben là je vais donner la bonne réponse parce que comme ça je vais faire baisser la note? Ben ouais, l'humain est ainsi fait. Donc on va observer aussi ces autres parties de nous, telles que l'ego, etc., dans la formation, et à quel point ils peuvent nous mener par le bout du nez. Puis parfois, ouais, j'ai peut-être besoin d'avoir un petit peu plus, une plus haute estime de moi, une meilleure confiance en soi. Alors, je vais me la raconter à l'envers. Du coup, je vais faire des tests, puis en fait, je vais me donner les réponses que j'ai bien envie, mais ça ne correspond pas forcément à ce que je suis. Donc oui, je te rejoins tout à fait sur cette notion, pas point trop, on en faut. Une fois par an, c'est bien. Un petit bilan. Après, chacun fait comme il veut. Hein. À titre tout à fait perso, c'est pas parce que je suis coach en activité depuis 12 ans que j'arrête de travailler sur moi. Donc ben là, c'était mon anniversaire il n'y a pas longtemps. C'est l'occasion pour moi de faire un gros bilan, une fois par an, un gros bilan sur mes différents indicateurs, sur mes différents axes d'évolution, sur l'année qui vient de s'écouler. Voilà. Donc vraiment fais-le en fonction de ton rythme. Ne te place pas des obligations. C'est anti-coaching, d'accord? Plus tu vas tenir, il faut que, moi ça va aller. Et plus tu vas le vivre comme étant une obligation et non pas une exploration de soi, du plaisir et un épanouissement supplémentaire à mieux t'accompagner. Ok? Toi avec ton Pardon, avis. mais moi je rebondis sur le c'était ton anniversaire. Ben, joyeux anniversaire en fait. Ah bah merci en fait. Ah pépette, ah mon chou, ah pépette, ah mon C'était chou. loin, hein. Ouais, J'ai c'était. suivi, c'était Ouais. discrète, mais c'était il y a longtemps déjà. Mais voilà. 78, quelle belle année. Joyeux anniversaire à ton C'est père. la meilleure des Non, c'est ça? années, c'est le meilleur des crus, pardon, mais. Ah, 78, ah ouais, on va dire, il y a eu avant et il y a eu après. Mais c'est ça. Mais ouais. Mais oui, tu vois. Je pense que les gens s'en rendent compte quand même. On n'a même pas trop besoin Juste pour te d'argumenter dire, là-dessus. Tamara, Gabrielle ne t'entend pas, mais elle est subjuguée là. Elle regarde l'écran, elle te lâche pas. Ma chérie douce, je vais te croquer les orteils plus tard. Laisse-moi finir le job. Après, je Allez, te croque on fait les le os. travail, on y va. Ouais, après le job. Ok. On avait aussi la question. Alors, je n'ai pas super bien compris. Est-ce qu'il existe une liste des permissions par thématique? C'est ça? Oui, il y avait ça. Il y avait cette question-là. Alors, ce que j'en comprends là, est-ce qu'on peut répertorier toutes les permissions par thématique, c'est-à-dire par message contraignant, c'est ça que je comprends, ouais. Compliqué là, hein, tu sais, l'humain est tellement spécifique et tellement unique, il y a des choses que je vais moi avoir besoin de me libérer, et chez d'autres personnes, pas du tout, ça va pas. Non, pour répondre plus franchement à ta réponse, à ta question, en tout cas. Perso, moi, dans ma boîte à outils ou dans mon expérience pro, j'ai jamais listé les permissions, les libérations, les autorisations dont les personnes pouvaient avoir besoin par thématique. Ça pourrait être super intéressant, hein,
J'ai pas fait ce travail-là, donc si tu veux, on peut s'y mettre tous les deux, pourquoi pas, ça serait sympa, mais non, à ce jour, ça n'existe pas. J'ai pas ça à te donner. Il faudrait explorer, pratiquer et observer autour de toi, pardon, et observer et autour de toi, peut-être pour commencer à faire naître cette liste, et pourquoi pas nous la partager, on peut la faire grandir à plusieurs avec toutes les étoiles qui suivent la formation. Pourquoi pas, c'est une super idée. Donc, ça n'existe pas. À coupler avec la liste de je suis doué pour les cookies et tout ça là. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire sur le principe des listes, si on, en vrai, c'est un peu ça la réponse quand même. C'est sur le principe des listes, si on devait lister tout ce qui peut être une forme de caractéristique, de suppression, d'oppression, de permission, de libération, d'autorisation, de guérison chez un être humain, parce que il n'y a pas de fin, quoi. C'est un tunnel sans fin. Les messages contraignants sont vraiment, comme on disait là, c'est une thématique. Bien sûr que ce n'est pas aussi verrouillé, hein. Par exemple, on n'a pas parlé, parce que ce ne font pas partie des cinq messages contraignants répertoriés, mais quelqu'un qui aurait grandi depuis tout petit dans le message contraignant, vous allez l'entendre me dire: oh, de toute façon, tu finis jamais ce que tu commences. Et ça ne fait pas partie des cinq autres. Hein. Et pourtant, il va bien falloir que je me libère de quelque chose et que je m'offre une permission, d'accord? De ne pas finir quelque chose, parce que je m'y autorise. D'accord. À pas terminer. Par exemple, je ne vais pas terminer ce verre. Je peux rentrer chez moi avant de terminer mon verre pour illustrer que non, il y a des fois, c'est bien de ne pas terminer les trucs. Ouais, donc tu vois à quel point l'étendue est sans fin, c'est un océan sans fin, il y a trop d'humains, ils sont tous différents, ils sont tous passionnants. Enfin, en tout cas, je n'ai pas fait cet exercice-là de lister, mais évidemment, la bonne archiveuse que je suis serait intéressée par ce travail-là, mais c'est pas. Ok, ensuite. Alors, est-ce qu'il existe une valeur limite du scan test en dessous de laquelle on peut considérer qu'il n'y a plus de distorsion? C'est pareil, moi j'ai envie de te mettre d'abord sur ton ressenti interne. De toute façon, dans la formation, c'est le maître mot, tu vas vraiment apprendre à plus chercher du sauveur à l'extérieur. Si je dois résumer cette formation en un seul thème, ben, tu vas vraiment te faire confiance. Tellement que tu n'auras même plus besoin d'un chiffre ou d'un scan test pour savoir où est-ce que tu en es. Donc, je refuse de donner un chiffre repère. Je dis non. Je dis non, je m'y oppose fermement. Pourquoi? Parce que, ah, tu le sais bien, en plus, je sais que, Benjamin, tu poses la question en connaissant déjà la réponse, mais tu sais bien que justement, notre ego, il va s'attacher à un truc, et puis il va le verrouiller, il va le voilà. Et puis tant que je ne suis pas arrivée en dessous de ce chiffre-là, c'est que je n'y suis pas encore. Ouh là là, c'est Mais tellement. il faut pas s'enfermer en fait dans ces résultats-là. Ça donne juste un indice, un indicateur, mais pas c'est pas une valeur Exactement. absolue à laquelle il faut se rattacher et dire que si on J'en n'arrive prends pas au conscience. 3, c'est pas possible. C'est ça. J'en prends conscience. Ce test me permet de révéler. C'est un révélateur, c'est tout. Ça me permet de révéler, de mieux comprendre de quoi s'est nourri mon petit juge, comment est-ce qu'il a été gavé comme une oie par des messages qui sont devenus tellement familiers pour moi que je ne me rends même pas compte que ça me limite. C'est ça le message contraignant. Ouais. Donc ce test, il nous sert vraiment à le mettre en lumière, en prendre conscience, parce que c'est trop familier, je ne me rends même pas compte. Je ne me rends même pas compte que c'est limitant et que ça peut me blesser, m'oppresser, me réduire. Je ne me rends pas compte, c'est trop normal en fait. Ce qu'on disait la dernière fois, le message contraignant, on peut même les défendre en disant, bah, heureusement, c'est bien normal. Hein? Donc ce scan test, il nous permet de nous montrer que, ok, toi tu considères peut-être que c'est normal, mais tu vois, ça te donne une petite tendance et on te dit que voilà, au-dessus de 25 quand même. Peut-être pour toi c'est normal, mais tire-le. C'est un message qui est très très présent chez toi. Rends-toi compte de ça. Point barre. C'est un petit Gros. baromètre. Ouais, c'est un baromètre. Donc nous, on va utiliser ça pour mieux comprendre notre petit juge. D'accord? Mieux comprendre et pouvoir lui donner de la punchline derrière. Hein? C'est plus facile d'apprivoiser, d'éduquer un personnage si on comprend de quoi il est constitué. Ouais. OK. Voilà, là-dessus. Je crois que c'était OK.
Et il me semble que tu les as. Je retrouve plus mon papier, mais il me semble que oui, tu les as. Sur J'ai les déjà fait le questions. tour. Oui, il Je me pense semble que bien. c'est OK. Je regarde dans mes bazars, mais je crois que c'est OK. Allez, on va s'intéresser au mot magique maintenant. On passe à la suite. Alors, attends, je switch ce truc-là par là, voilà. On y va. Tu vas me faire la lecture. Alors, j'espère que tu as de l'eau et la voix bien claire. Tu vas beaucoup lire ce truc. Oh pétard. Oh, pétard. On y va. Ben oui, je veux bien, mais là, je ne vois que toi. Ah, ça va arriver, je pense, non? Faut que tu partages ton écran. Mais il est partagé, arrête! Non, là, on Ah ne non? voit que toi. Mais qu'est-ce que je ferais sans toi? Oh! Oh. Mais c'est ouf! Je crois que jusqu'à la fin, tu vas me le faire. Donc, on va faire un pratiqué, et puis toi, tu vas me faire une petite chanson en boucle. Partage ton écran, allume ton Tant, micro! tant, tant dans l'écran, on allume le micro. Bah c'est bon, on est bien là. Et on Là, est on bien. Eh ben, dis donc. Ok. Allons, c'est parti. Alors, nos paroles sont remplies de l'énergie qu'on leur donne. Elles s'envolent et répandent cette énergie à travers l'espace et le temps. Plutôt que de parler pour colporter, semer grisaille et problèmes, je peux aussi parler vrai, bon et utile. Je parle des qualités, des réussites des personnes qui m'entourent, de ce qu'elles m'ont appris, à mon entourage. Je prends conscience de l'intention, l'énergie dont je remplis mes paroles. Je comprends leur influence sur le monde comme sur moi-même. Ouais, c'est ça du coup. Là, ça vous présente un petit peu pourquoi cet atelier, pourquoi cet outil qu'est la parole. D'accord? Donc, dans ce cours, j'aimerais qu'on se donne ce temps-là, juste ce temps-là dans notre vie, de prendre conscience que même si mon intention n'est pas mauvaise, ça c'est important, on va le dérouler dans le truc, même si mon intention n'est pas mauvaise, bah, chaque mot a sa vibration. On a commencé à se sensibiliser à ça avec l'approche sur l'inconscient et souvenez-vous ce fameux exemple entre accepter et accueillir. Mais des mots comme ça, je peux vous en donner 15 000. Hein. Ok, donc là, on va encore un peu plus en profondeur là-dessus, en essayant de prendre conscience vraiment, en profondeur, s'il vous plaît, de quoi sont remplis mes mots. Pas uniquement qu'est-ce que je pense, pas uniquement qu'est-ce que j'ai envie de dire, pas uniquement quelle est mon intention, pas uniquement est-ce que c'est le bon mot selon le petit Robert. Pas, non, mais ça envoie quoi là, en face? Ok? Ouais, et j'irai même plus loin, là, si je peux me permettre d'intervenir. Moi, j'ai fait beaucoup de travail justement sur la linguistique. J'ai fait énormément de travail sur l'énergie qu'on envoie avec les mots. C'est hyper important. Donc, de ce côté-là, c'est vrai que y a quelque chose à comprendre. C'est ce que, pour aller un peu plus loin dans ce qui est écrit, c'est que c'est qu'est-ce que j'inscris dans le champ électromagnétique de l'autre quand j'ouvre ma bouche? Et ça peut être ne serait-ce que par la pensée. Alors imaginez par la parole. Le verbe est hyper puissant. C'est pour ça que souvent on va parler du verbe. Pourquoi? Parce qu'effectivement, tout ce qui va sortir de notre bouche a une fréquence déjà sonore. Bien souvent, on utilise des mots pour d'autres. Bien souvent, on utilise des mots avec une définition qu'on nous a appris étant petit et qui ont une autre énergie à l'intérieur. Sans Exactement. qu'on s'en rende compte. Donc déjà, bon, enfin, je pense pas que Tamara vous demande d'aller aussi loin dans l'analyse et aussi loin dans faire attention, mais juste dans qu'est-ce que j'envoie dans le champ électromagnétique de l'autre quand je lui parle? Et qu'est-ce que j'inscris moi dans mon champ électromagnétique quand j'ouvre la bouche? Parce que c'est pas pour rien que on est peut-être les Oui, on peut le dire, hein. On est les seuls, on va dire, animaux, entre guillemets, à avoir la parole. D'accord? C'est très important. Et pourquoi on nous a donné cette parole à un moment donné? Pourquoi avons-nous cette parole alors qu'un chien, souvent, on va lui dire, il lui manque que la parole. Un singe, on va lui dire, il lui manque que la parole. On est les seuls à communiquer par le verbe et ce n'est pas pour rien. Pourquoi? Parce qu'on a cette capacité par la parole. D'enseigner, d'éduquer, on a la capacité de faire aller quelqu'un mieux. Tamara est une coach, donc par la parole, elle a la capacité d'inscrire et de modifier votre champ électromagnétique. Ça va jusque dans l'ADN. Donc il faut faire extrêmement attention. Effectivement, c'est de penser, est-ce que ce que je vais dire ne va pas péter la bulle de l'autre? Ça, c'est la question à se poser. Ben c'est exactement ça. Et oui, on va aller à ce niveau de profondeur-là, mais progressivement. C'est vrai que, hein, Tout on va y doucement, aller. tout doucement.
Mais oui, le but, c'est quand même qu'ils y arrivent à ce niveau-là. Mais c'est exactement ça, bien sûr, avec notre parole, on encode. On encode, on inscrit. Donc déjà, en prendre conscience, c'est important. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet atelier, on va s'y appliquer, en tout cas, et se donner quelques pistes pour ça. Donc, et ben avant même d'apprendre à parler, on va apprendre à écouter. Qu'est-ce que vous en dites? C'est un grand classique, oui? Oui, c'est mieux. Oui, c'est un grand classique. Donc, pourquoi pas, au fil de cette formation Bihuman, vous allez vous les prendre les cinq, les accords Toltec. Ça fait tellement partie des bases qui deviennent présentes dans notre inconscient presque collectif que si je travaille sur moi, je maîtrise les quatre accords Toltec. Et c'est pas faux, pourquoi pas. Donc, oui, comme ça, vous allez pouvoir gargariser et dire, ouais, je maîtrise les quatre accords Toltec. Donc, tu vois, ça le fait bien. Donc, oui, ils y sont. Alors, je ne vous les ai pas mis dans un seul atelier, travailler les cinq accords. Je trouvais ça pas forcément très constructif, mais je vous les ai un petit peu répandu, voilà, au fil de la formation en fonction des sujets qu'on va travailler. Donc là, évidemment, c'est peut-être pas le premier des accords, c'est sans doute un des moins connus parce qu'il est arrivé en petit dernier, la cinquième roue du carrosse. Je suis sceptique, alors j'ai pas pu m'empêcher de corriger la formulation d'origine, c'est je suis sceptique, mais j'apprends à écouter. Mais Ouais. Comment ça se fait? Est-ce que ça commence à faire sens pour vous? Pourquoi je me suis permise de corriger directement dans le texte, non pas mais virgule c'était écrit virgule et ouais. Virgule et. virgule et. Le et nous permet d'inclure le et, le mais nous invite à diviser et à mettre en opposition. Tout Voilà. ce qui est dit avant le mais, enfin, on dit que tout ce qui est dit avant le mais, ça compte pas. Ça part aux oubliettes. Puisqu'on est sur un atelier sur les mots magiques, la puissance des mots et comment les utiliser à bon escient, ben je me suis autorisée à corriger, pardon, Don Miguel Ruiz ou le traducteur. Mais en règle générale, de toute façon, les accords Toltec, pour moi, ne sont pas du tout écrits. Ils sont tous écrits de façon négative, enfin, avec la négation. Enfin, ça va pas. Sur la formulation. On en reparlera, mais avec ce qu'on a mis en lumière déjà depuis le début, le langage à l'inconscient, etc., bah, oui, ça peut être un petit exercice pour chacun de vous, pourquoi pas. Allez hop, challenge. Réécrivons les cinq accords Toltec, mais avec une parole propre, impeccable, certes, mais adaptée à l'inconscient, okay? Et avec ce qu'on est en train d'apprendre. Ok, donc là, on va voir un petit peu plus qu'est-ce que ça nous dit, ça. Être sceptique et apprendre à écouter. Qu'est-ce qu'il nous dit là-dedans? Tu veux bien nous lire? Alors, il nous dit qu'être sceptique veut dire que nous ne croyons pas systématiquement ce que nous entendons, ce que les autres nous racontent, mais pas non plus ce que nous nous disons à nous-mêmes. Nous entrons en contact avec la réalité à travers le filtre de notre perception. Et celui-ci est différent d'une personne à une autre. Il est constitué par nos sens, notre histoire personnelle, nos croyances, le langage que nous utilisons, tout ce que nous avons appris. Donc la réalité que nous percevons est aussi différente pour chacun d'entre nous. Ouais, je te coupe un peu parce que là c'est important, le temps que ça descende juste dans les tuyaux, est-ce que ça c'est OK pour tout le monde? Hein, on s'y habitue de plus en plus avec cette notion, on la comprend, moi ce que je veux c'est pas que vous la compreniez, c'est que vous l'intégriez. Hein? Donc oui, je reviens là-dessus, c'est important, en surface, on peut se dire, non mais ça je sais déjà, j'ai compris, je m'en fous totalement, pardon, que vous ayez compris ou que vous le sachiez déjà. Donc, je veux que ce soit intégré à l'intérieur. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de personnes que je vois en cabinet. Ah, ils savent, hein. Ils ont tout compris. Hein. Donc, vous savez comment ça se passe derrière. Il faut pratiquer, pratiquer, pratiquer. On le sait. Mais c'est vraiment cette différence entre je sais et j'ai expérimenté. Donc, oui, il y a des choses dans cette formation, on les sait déjà. Hein. Je n'ai pas inventé le feu. Hein. Je ne prétends pas ça du tout. Par contre, ce que j'observe, c'est que ce que l'on sait tous, bah, on ne pratique pas. Il y a un bug. Ça n'est pas pratiqué, on le sait, on peut même l'apprendre aux autres, on ne le pratique pas pour autant. Ouais. Donc là, oui, j'enfonce encore une fois des portes déjà ouvertes hein, pour rentrer en contact avec la réalité des autres. Forcément, j'arrive avec tous mes filtres, sans blague. Bah ouais. Avec mes croyances, avec mes blessures, avec mes repères, avec mes valeurs. C'est une vérité tellement banale. Ouais. Dans le cognitif, c'est banal. Dans le cognitif, ouais, ok, Tamara, c'est cool, mais pff, ok, next, quoi. Ouais, mais intègre-la, cette information, s'il te plaît, vraiment, 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 vraiment à l'intérieur, en profondeur. Parce que si c'était à ce point ancré, à ce point intégré,
on n'aurait plus aucun problème, ni de tolérance, ni de open mind, ni de respect, ni... ça n'existerait plus les problèmes relationnels, si on avait vraiment compris à quel point on est des personnes, chacun, spécifiques, unique, il n'y en a pas deux qui ont la même grille de lecture. Très souvent en cabinet, j'entends ah, oh, mais tu te rends compte si c'était moi, jamais je ferais comme si ou j'aurais fait comme ça. C'est pas toi. Donc, quelqu'un qui a intégré ça ne peut plus avoir ce mode de pensée-là ou ne peut plus s'étonner, être déçu ou être surpris par une réaction différente de la sienne. Là, ça commence à vous montrer à quel point ah oui, on a compris, mais c'est pas encore intégré dans les interactions. D'accord? C'est vraiment sur le plan global que ben ouais, c'est encore nécessaire. Ouais, on va y revenir sur ces choses-là. On en a encore besoin. Mais du coup, sur un truc tout bête, là, enfin, moi je me dis, tu vois, par exemple, au tout début, là, quand il y a écrit à travers le filtre de notre perception, donc, tout ça, je me dis, ça peut être du coup marrant de s'amuser à vagogue avec, enfin, à jouer à vagogue avec quelqu'un. Et de dire, tiens, moi, je sens rentrer dans un magasin et dire, oh, moi, je sens le chocolat. Ah, mais non, grave, t'es fou, ça sent le café. Mais pas du tout, ça sent le chocolat. Et ne serait-ce que sur un truc tout bête comme ça, de se rendre compte que, bah, en fait, on sent pas, sur un truc flagrant comme ça, on sent pas la même chose, quoi. Alors, c'est vrai que sur certains sens, ça va être plus flagrant que d'autres. On le sait d'autant plus en ce qui concerne la vue, par exemple. Hein, la perception des couleurs est très changeante d'une personne à l'autre. Ce qui est intéressant dans cet exemple-là, c'est voyez à quel point vous pouvez vous mettre en conflit du coup. Hein. Parce que pour lui, c'est café et que pour l'autre, c'est chocolat. Juste parce que la perception n'est pas la même, ça peut créer un conflit derrière. Donc, si moi, je suis persuadée que ça sent chocolat, est-ce que je vais vraiment prendre le temps de découvrir l'univers de cette autre personne différente de moi pour qui c'est café? Ou est-ce que je vais pas de suite dégainer mon petit juge, bam, bam, bam? Mon ego, pouf, en fait, non, on est en conflit, on est en opposition. D'accord? Avant ça, là, ce que je vous invite à faire, c'est ah ouais, tu vois café, toi? Ah bah raconte-moi. Ça fait comment, du coup, t'as dans ton nez? Parce que moi, c'est sucré, c'est pas amer, là, cette odeur. Explique-moi, ça m'intrigue, là. Ta différence m'intrigue, du coup. C'est ça, apprendre à écouter. Oui? Ok. Je continue? Ouais, s'il te plaît. Allez, nous vivons tous dans un monde de plus ou moins différent de celui de l'autre. Et pour chacun d'entre nous, notre monde est vrai. Mais est-il plus vrai que celui de quelqu'un d'autre? L'intérêt n'est pas de savoir qui a raison, mais de voir comment nous nous sentons. Nous vivons dans notre monde et ce que nous pouvons faire pour y être de mieux en mieux et le rendre le plus beau possible. Bah oui, quand même. C'est beau. Bah ouais, merci. Je peux écouter. Quand je parle, je le fais à partir de mon monde et l'autre en face va interpréter ce qu'il entend en fonction de son monde. En sachant ceci, nous pouvons vérifier par des questions et la reformulation que nous nous comprenons. Si j'écoute vraiment, je vais pouvoir comprendre l'autre, sa réalité, ce qu'il vit, ce qu'il ressent. Si nous voulons vraiment communiquer avec les autres, c'est absolument nécessaire d'apprendre à écouter. Sinon, nous ne pouvons pas rentrer dans leurs rêves. Dans leur rêve, bon, ça c'est pas, ça fait partie de mon champ lexical favori, mais est-ce que c'est perceptible pour tout le monde là, ce que je veux dire par là, ok? Si je veux vraiment communiquer avec l'autre, c'est par l'écoute que je vais avoir une idée de l'univers. C'est comme des frontières en fait. Chacun est un pays avec sa langue, avec sa culture, avec ses coutumes, avec sa gastronomie, avec son art, etc. Chaque personne est comme un pays différent, quoi. Donc, quand je vous invite ici à rentrer dans le rêve d'une personne, c'est rentrer dans son monde, rentrer dans son univers. Dans son idéal, dans ce genre de choses-là. Avant d'arriver, par exemple, moi, états-unienne, d'accord, voilà, avec ma houppette orange fluorescente et mes gros hamburgers, etc. Avant d'arriver dans un autre pays, donc chez quelqu'un d'autre, et lui dire non, c'est pas du tout vrai, c'est pas comme ça, c'est parce que nous, c'est les hamburgers, c'est du coca et t'as même pas la mèche qui fait comme ça. Je vais déjà quand même mettre les pieds tout en douceur. Déjà, je suis pas chez moi, je suis chez quelqu'un d'autre, je suis dans un autre univers, dans une autre tête, dans un autre cœur, dans d'autres ressentis, dans d'autres perceptions, dans d'autres des expériences que les miennes. Donc, je vais déjà commencer à dire bonjour, ça marche comment chez toi? Explique-moi, tu es qui, tu es quoi? Comment ça se fait que tu portes pas de houppette? Ça m'intrigue. Tu vois, la démarche, vraiment, c'est. Je peux pas communiquer sinon. Je suis juste en train de m'écouter, c'est tout. Ok.
Nous n'avons pas besoin de croire ce que l'autre nous dit. Entre parenthèses, le prendre comme une vérité, pour créer un vrai lien avec lui. Le vrai lien, le vrai partage va venir de notre capacité à écouter, à nous intéresser, à comprendre et à respecter ce qu'il vit dans son monde, puis à partager, si nous le souhaitons, ce que nous vivons dans le nôtre. Mais ça, c'est hyper important. Là, vraiment, on est en train de murmurer un petit peu à l'oreille de l'ego, même si on n'a pas encore vu l'ego, en tout cas dans cette formation-là. C'est pas parce que j'écoute la personne que je valide ce qu'elle est en train de dire, que je la crois ou que je suis d'accord. Je peux juste écouter. D'accord, Explorer. donc moi si j'arrive et que je te dis par exemple les carottes sont vertes ou les haricots sont oranges, en fait t'es pas obligé de me croire sur parole parce que ça se trouve je raconte n'importe quoi. En tout cas c'est pas... Mais je suis même tenue de ne pas te croire, parce qu'avec cet intitulé Je suis sceptique et j'apprends à écouter. Et dans cette formation, on apprend justement à récupérer ce pouvoir personnel-là. Donc, c'est même mon devoir de ne pas douter que, bah, excuse-moi, pardon, mais les carottes, elles sont bleues, n'importe quoi. D'accord? C'est mon devoir de garder mon information à moi, de dire, bon, ok, moi, mes carottes, elles sont bleues. Cette personne, elle me dit qu'elles sont vertes et pour le reste du monde, c'est orange. On est mal. Qu'est-ce que ça me montre? Ça me montre que je ne vais pas rentrer en conflit et qu'elle a une perception qui est différente de moi. Nous deux, on est différentes, mais on n'est toujours pas encore comme le reste du monde. Les autres, ils le voient en orange. Donc, je ne vais pas rentrer en conflit ou en opposition pour te dire, non, ce n'est pas vrai, les carottes, elles sont bleues. Ou justement à te manifester comme ça en disant n'importe quoi, t'es stupide, c'est même pas ça. Alors non, pardon, excuse-moi 2 secondes, t'es la dernière des imbéciles, tu as même pas vu que c'était bleu. Non, je vais pas rentrer dans l'art de la personne. Je dis d'accord, les carottes sont vertes, ben oui, Alors comment en fait, depuis quand? Depuis que t'es née, c'est vert? Ah ouais. Il y a d'autres choses qui sont vertes dans ta vie comme ça, tu vois? Je vais commencer à m'intéresser. C'est intriguant la différence. Ça n'est pas dérangeant, ça n'est pas menaçant. Donc ta vérité ne vient pas menacer la mienne, c'est ok avec ça. C'est ça qui est important. Ta vérité ne vient pas menacer la mienne. Ça va. Faut rester Donc, curieux de ce que les autres peuvent avoir. mais ouais. Et si on enlève nos égos, mais du coup, enfin si on les enlève, on va les caresser, on va apprendre à les caresser, nous, les égos. On va leur donner des croquettes et tout ça pendant la formation. Bon, si on fait coucou chevalier avec l'ego, et qui nous laisse rentrer en interaction et en découverte avec la personne qui est en face de nous, qui est si différente. Là, on va enfin pouvoir goûter du doigt cette notion de la différence est une chance. La différence m'apporte, m'apprend. Si je reste dans mon univers à moi et que j'arrive avec. Les carottes, elles sont bleues, Laetitia. Donc, je ne vais même pas prendre le temps d'explorer c'est comment vert, comment est-ce que toi, tu peux avoir cette sensibilité. Je vais essayer de t'imposer bleu. Je crois que c'est un peu comme ça qu'on devient con. Pardon. Je crois. Carrément, Ah, j'en carrément. connais plein, j'en connais Non? plein. Le temps ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, Excusez-moi. on est Non, on est con. con. Faut pas tortiller, mais je crois que c'est comme ça qu'on devient con. Quand on ne se remet plus du tout en question, en ouverture, en capacité de recevoir autre chose que ma vérité. Je crois que c'est ça la définition du con. Je crois. Je sais pas. Je vous laisserai réfléchir là-dessus. Je Alors. vote et je dis oui. Là, je vous ai proposé 2 textes que moi j'adore beaucoup, 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 beaucoup. Le premier qui est d'André Gromelard, qui nous invite justement à être à l'écoute. Et le deuxième qui est un petit peu similaire, mais avec une vibration un petit peu plus féminine. Donc, ça me tenait à cœur d'avoir une approche équilibrée sur le plan énergétique, sur cette approche-là, qui est l'écoute, que l'on considère faussement comme étant plus féminine que masculine. Je dis faussement parce que non, faut arrêter avec ça. Bien sûr qu'il y a des différences, Mars et Vénus nous l'apprend, hein, entre l'énergie dominante masculine et l'énergie dominante féminine. Évidemment qu'il y a des différences. Là, c'est pas une sensibilité plus ou moins féminine. Si je m'autorise, c'est vraiment juste, sois pas trop con si t'es un humain et que t'as des oreilles, que t'as une parole et que tu rentres en interaction avec les autres. Hein. Encore une fois, oui, je vous l'ai envoyé de façon un peu brutale, sorti tout seul là, mais ouais, vraiment, pour moi, c'est vraiment une des premières définitions de la bêtise chez un humain que de ne pas écouter quoi d'autre que je sais déjà. En fait, tu tournes en boucle, t'as un magnéto, tu te répètes donc que ce que tu sais. Bah, tu vois, voilà. Et ça, c'est absolument pas
un privilège réservé qu'aux femmes. C'est pas vrai du tout. C'est pas quelque chose de typiquement féminin que d'être à l'écoute. C'est pas vrai. C'est faux. Donc il y a énormément d'hommes qui savent offrir une écoute active ou une écoute bienveillante d'énorme qualité. D'accord? Donc, voilà. Donc ça me tenait à cœur de vous présenter le texte de monsieur, pour le coup c'est un monsieur, Grommelaert. Et puis juste derrière, parce que j'aime beaucoup, voilà, c'est un tout petit peu plus poétique, etc., la version féminine. D'accord? Okay. C'est OK pour nous le lire ça? Allez, Merci. écoutez est peut-être le plus beau cadeau que nous puissions faire à quelqu'un. C'est lui dire, non pas avec des mots, mais avec ses yeux, son visage, son sourire et tout son corps, tu es important pour moi, tu es intéressant, je suis heureux que tu sois là. Pas étonnant si la meilleure façon pour une personne de se révéler à elle-même, c'est d'être écoutée par une autre. C'est ça qu'on fait en thérapie, hein. Pas en coaching, mais en thérapie, c'est ça qu'on fait, hein. Les gens viennent chercher un instant pour eux, un temps de parole pour eux. Donc ils parlent. Voilà. D'où la fameuse caricature du psy qui parlez-moi de votre enfance et puis qui, pendant que le gars parle, voilà, il se fait son Candy Crush ou il se fait un petit roupillon parce qu'en fait, il n'a pas forcément plus besoin que d'interaction. La personne a juste besoin de parler, de se sentir écoutée. Ok. Écoutez, c'est commencer par se taire. Avez-vous remarqué comment les dialogues sont remplis d'expressions du genre c'est comme moi quand, ou bien ça me rappelle ce qui m'est arrivé. Bien souvent, ce que l'autre dit n'est qu'une occasion de parler de soi. Ouh là là, c'est tellement important. Cette partie-là, à partir de maintenant, vous allez vous réveiller demain, vous allez avoir les oreilles qui vont siffler toutes les fois que vous allez entendre ces phrases-là. On connaît tous des gens dans notre entourage qui saisissent absolument chaque opportunité sans en laisser passer une seule pour dire « Ah oui, moi, c'est comme moi, ah oui, moi je connais ça, j'ai appris ça, j'ai expérimenté ça. Ah, c'est... Alors non, moi non. » Alors ils peuvent commencer par dire « Non, alors moi pas du tout. » Bah, ça tombe bien parce qu'on ne parlait pas de toi. C'est terrible. Alors ça, saisir une occasion pour parler de soi, d'accord? La météo, je sais pas pourquoi. Vraiment, c'est vrai, vous avez remarqué à quel point on va remplir aussi du vide. Donc, on a besoin de mettre du mot. On le verra plus tard avec le silence, mais on a besoin de remplir, de combler. Le vide devient une source d'angoisse pas possible. Et les quantités de conversations qui sont, mais vraiment juste pour mettre des mots dans des cases vides, quoi. La météo, on est tous sous le même ciel. Hein. Donc on a la même température, on a le même, d'accord, quand tu fais partie de la même ville en tout cas, et ben ça nous empêche, on peut passer un quart d'heure par jour hein, à parler que du ciel qui est, on a tous le même au-dessus de la tête quoi. Ouais. Donc commencer par se taire et observons déjà comment, eh ben nous on est de parfaits imparfaits humains, d'accord? Donc tout ce qu'on est en train de regarder là, eh ben déjà ça se voit chez moi puisque moi je suis un humain, d'accord? Donc commençons ce travail-là par se dire, alors déjà, je vais repérer toutes les fois qu'on me parle, comment est-ce que je peux couper le truc par du ah, ça me rappelle, ou moi c'est comme ça, non, moi c'était plutôt ah ouais, moi aussi ça a fait ça. Toutes ces phrases qui commencent comme ça, je vais me proposer de oui, voyons voir, si je laisse l'autre parler, ça donne quoi? D'accord? On teste ça, juste être en observation. Et bien sûr, hein, vous l'avez compris, le petit juge, on le fout de côté, on n'est pas en train de se... À chaque cours, je devrais peut-être le répéter, mais à chaque cours, le but, c'est pas de se dire oh, « Oh mon Dieu, mais c'est affreux, en fait, je fais que juger les gens. Oh mon Dieu, mais c'est affreux, en fait, j'ai plein de messages contraignants. Oh mon Dieu, mais c'est affreux, en fait, j'écoute jamais personne. Oh mon Dieu... » Non, non, mais là, non. OK, l'idée, c'est d'en rire, d'en prendre conscience. D'en rire, pourquoi? Parce que tous les humains sont pareils. Ok, donc on peut carrément le monter en caricature en rire. D'en prendre conscience et bien sûr de le dépasser. Donc ne vous acculez pas de ces observations. Bien sûr, quand on se nettoie, quand on se fait briller un petit peu plus, quand on se donne l'occasion de s'élever, de travailler sur soi, de se mettre en formation, de se faire grandir, mais forcément par défaut, ça veut dire qu'on va mettre les mains dans le caca et nettoyer des trucs cracra. Okay, donc blindez-vous, parce que pendant toute la formation, le but c'est qu'à chaque fois qu'on présente un outil, on se rende compte que, oula, moi aussi je suis la merde là. Bon, merci. Allez, nettoie. Oui, j'avoue que des fois ça fait un peu bizarre, ça coupe un peu le sifflet. Oui. Mais c'est pour ça que si je ne l'ai pas assez dit, vraiment, je le répète, on n'est pas là pour se flatter en coaching, hein, on est là pour bosser, hein.
Donc, ouais, moi, je peux vous mettre justement de la paillette, des étoiles, et c'est formidable, et tous les humains sont trop bien, et puis toi, tu es le seul humain qui est parfait. En fait, tous les autres sont affreux, mais toi, t'inquiète, c'est parfait. Ça sert à quoi? Toi, moi, tout le monde, on est humain. En tout cas, on est incarné dans un corps humain. Donc, on fonctionne tous de cette même façon. Donc, à partir de... C'est quand même déjà la super base. Il me semble pour que ça aille mieux là sur cette planète, c'est se dire bon alors du coup je vais arrêter de regarder comment les autres sont imparfaits, puis je vais commencer moi à faire mon nettoyage, à m'occuper de moi, d'accord? Ok. Moi, je continue donc. Ben oui. Écouter, c'est commencer par arrêter son petit cinéma intérieur, son monologue portatif pour se laisser transformer par l'autre. C'est accepter que l'autre entre en nous-mêmes comme il entrerait dans notre maison et s'y installerait un instant, s'asseyant dans notre fauteuil et prenant ses aises. Écouter, c'est vraiment laisser tomber tout ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre. C'est comme une promenade avec un ami. Marcher à son pas, proche, mais sans gêner. Se laisser conduire par lui, s'arrêter avec lui, repartir avec lui, pour rien, pour lui. Je vais t'arrêter là-dessus par les temps modernes que l'on traverse actuellement sur cette notion de c'est vraiment laisser tomber tout ce qui nous occupe pour donner tout son temps à l'autre dans l'écoute. C'est pas je t'entends, c'est je t'écoute. Je pense qu'on l'a tous vécu à quel point ça peut être désagréable d'avoir une conversation avec quelqu'un, même si on ne parle pas de choses super lourdes ou intéressantes ou graves, on parle de choses légères, mais si on se parle, on se parle, on ne fait pas les choses à moitié. Et de parler avec quelqu'un qui en même temps envoie un mail ou en même temps check son Facebook, son machin, son truc. Ouais. On n'a pas le sentiment d'être écouté, Oui. d'être reçu, d'être accueilli là. Ouais. Donc, ouais, cette phrase-là, de nos jours encore plus qu'à l'époque où j'ai découvert ce texte-là, je laisse tout tomber et je suis en train de faire un don de moi. Là, je te donne ma personne, oui, le temps que tu discutes, le temps que tu te vis, que tu parles, etc. Bon, bien sûr, on mettra des limites derrière, hein. Pas aujourd'hui, mais on apprendra à mettre nos limites. Je ne suis pas en train de me donner en pâture non plus, à me faire vampiriser ou à me faire saouler par des milliards de mots, d'accord? Mais là, c'était vraiment juste sur cette notion de ne mélangeons pas écouter et entendre. Là, on vous parle vraiment d'écouter, pas d'entendre. On fait une Enfin, chose à la fois, quoi. Quand on écoute quelqu'un, on ne check pas ses mails. ouais. Sinon, je fais que l'entendre, c'est tout. Écouter, ce n'est pas de chercher à répondre à l'autre, sachant qu'il a en lui-même les réponses à ses propres questions. C'est refuser de penser à la place de l'autre, de lui donner des conseils et même de vouloir le comprendre. Là aussi, c'est un point qui est important. Bon, là, ça sent déjà le coaching à plein nez. Merci André, Grombla. Mais ça, c'est vraiment une clé super importante. Et dans les couples, et dans nos interactions sociales, toutes nos interactions, je cherche pas forcément quand en étant dans l'écoute, en étant dans la transaction, dans la communication, d'accord? Je vais pas forcément chercher à répondre aux autres. Je précise dans le cadre du couple parce qu'on retrouve cette notion-là dans Mars et Vénus, où les femmes ont plutôt cette tendance à explorer pendant qu'elles parlent. D'accord? Donc c'est pendant que je parle que je trouve mes réponses en tant que femme. Là où en tant qu'homme, je vais pas avoir le même schéma. Du coup, je peux avoir la réponse totalement en avance. Les couples connaissent ça. Madame, elle arrive avec un problème. On prend la tête parce que potétio, potétio, papa. Ouais. Monsieur, il a trouvé son problème à madame. D'accord? Parfois, monsieur va même donner la réponse à madame. Ah, bah, tu peux faire comme ci, comme ça, madame. Au lieu d'être soulagée d'avoir la réponse, elle va encore plus se fermer. Ah, ok, monsieur dit. T'as vu, je fais bien la dame fâchée. Oui, je trouve. Je maîtrise. Je maîtrise bien la dame fâchée. Je me suis bien entraînée, hein. Ok, monsieur, là, ça laisse perplexe. Sa madame arrive avec un problème. En deux-deux, il lui trouve une solution. Et derrière, elle est encore plus fâchée, grognon. Ça la met encore plus mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas respecté le fait qu'elle, en tant que femme, elle vient pas chercher une solution. Elle vient chercher un miroir dans lequel elle va pouvoir se refléter pour réfléchir et trouver elle-même sa solution. Certains couples vivent où madame, au bout de deux, trois jours, va dire.
Trouvé, j'ai compris, en fait, c'est parce que ça. Et monsieur va dire, non, sans deck, ça fait 3 jours que je te l'ai dit. Ok? Ça, c'est une vraie représentation de ce qu'on vous dit là. Cheminer en tant qu'être humain, penser, réfléchir, analyser, comprendre, ça ne veut pas dire que c'est l'autre qui me donne mes réponses. Ça veut bien dire qu'il me faut ce temps et cet espace disponible. Sinon, je suis court-circuitée. D'accord? Donc, quand je vais apporter une réponse, très souvent, alors qu'on ne m'a pas posé de question d'ailleurs, hein, dans un échange, je me mets là, comment dire, à la place de l'autre, je prends ce qu'il était en train de faire, je me mets dans son cerveau. Cette personne réfléchit à ça, elle est en train de comprendre, d'analyser, de cheminer, de questionner ce truc-là. Et moi, c'est comme si là, je rentrais dans sa tête, dans son cerveau, à sa place, pour dire, pom, pom, pom. Alors en fait, comme ci, comme ça, comme ça. Je lui coupe son truc là. Et c'est pas ça dont la personne a besoin. Si vous l'avez vécu, que ce soit d'un côté ou de l'autre, dans l'expérience, là, ce que je suis en train de vous dire, c'est mais pourquoi tu fais ça? J'ai pas besoin de ça. Ah, mais je croyais que tu voulais des solutions. Alors non, en fait, je veux comprendre, je peux réfléchir 2 secondes. Ouais. Et D'accord. ça, c'est un super cadeau qu'offrir à l'autre, parce qu'on est déjà en train de le responsabiliser. Dans cette façon de fonctionner où je vais couper et apporter des solutions, pam, 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 mais je l'infantilise, je pars du principe que l'autre n'est pas capable de le faire tout seul. Je me place quand même un peu au-dessus, hein, en faisant ça. D'accord. On continue. Alors attends. Le dernier. Ça s'affiche pas encore. À vous? Mais c'est le même, non? Ah, pardon. Le dernier, Excuse-moi. écoute et accueille. Écouter, c'est accueillir l'autre avec reconnaissance tel qu'il se définit lui-même, sans se substituer à lui pour dire ce qu'il doit être. C'est être ouvert à toutes les idées, à tous les sujets, à toutes les expériences, à toutes les solutions, sans interpréter, sans juger, laissant à l'autre le temps et l'espace de trouver la voie qui est la sienne. Voilà, c'est ça. Hein. Donc, ce qu'on était en train de dérouler là, en coupant et en court-circuitant, en apportant mes solutions, je vais me mettre à la place d'eux. Donc, je vais présupposer que moi, si j'étais toi, je ferais ça. D'ailleurs, on l'entend souvent dans les langages. Ah ben moi, à ta À ta place, je ne place, serais plutôt ouais. comme ça. Donc, non, tu restes à ta place et tu considères la personne à qui tu parles, qui a un autre monde, qui a un autre univers, qui a un autre mode de fonctionnement. D'accord? D'accord. Écouter, ce n'est pas vouloir que quelqu'un soit comme ceci ou comme cela, c'est apprendre à découvrir ses qualités qui sont en lui spécifiques. Être attentif à quelqu'un qui souffre, ce n'est pas de donner une solution ou une explication à sa souffrance, c'est lui permettre de la dire et de trouver lui-même son propre chemin pour s'en libérer. Apprendre à écouter quelqu'un, c'est l'exercice le plus utile que nous puissions faire pour nous libérer de nos propres détresses. Écouter, c'est donner à l'autre ce que l'on ne nous a peut-être jamais donné, de l'attention, du temps, une présence affectueuse. C'est en apprenant à écouter les autres que nous arrivons à nous écouter nous-mêmes, notre corps et toutes nos émotions. C'est le chemin pour apprendre à écouter la terre et la vie. C'est devenir poète, c'est-à-dire sentir le cœur et voir l'âme des choses. À celui qui sait écouter est donné de ne plus vivre à la surface. Il communie à la vibration intérieure de tout vivant. Voilà, c'est beau, non, André? Mais Merci, André. Ouais. trop. Et là, on a la même information, mais par Virginia Satir, une thérapeute. Je te laisse le lire aussi. Alors, attends, j'ai un petit pépin. Écoutez, lorsque je te demande de m'écouter et que tu me donnes des conseils, tu ne fais pas ce que je t'ai demandé. Lorsque je te demande de m'écouter et que tu me dis que je ne devrais pas me sentir ainsi, tu piétines mes sentiments. Lorsque je te demande de m'écouter et que tu crois que tu dois faire quelque chose pour solutionner mon problème, tu me brimes, aussi étrange que cela puisse te paraître. Écoute, tout ce que je te demande, c'est de m'écouter, pas de parler ou de faire ou juste m'entendre. Les conseils, je n'en ai que faire. Je peux accomplir mes choses. Je ne suis pas sans ressources. Peut-être suis-je découragé ou hésitant, mais je ne suis pas impuissant. Lorsque tu fais quelque chose à ma place et que je peux l'accomplir moi-même, tu contribues à ma peur et à ma faiblesse. Mais lorsque tu acceptes comme un simple fait que je sente ce que je sens, aussi irrationnel que ce soit,
Alors je peux cesser de vouloir te convaincre et travailler à comprendre ce qui se passe en moi. Et si un jour tu désires parler, je t'écouterai à mon tour. C'est un beau texte aussi. Ouais. Sur cette jolie approche, ils disent la même chose, hein, tous les deux. Mais c'est vrai que c'est une approche très différente. Ah, c'est juste différent. Bon, on pourrait les voir et puis sur le PDF, vous les aurez aussi, ces textes-là. Ce qu'on va retenir surtout dans celui-ci, c'est la dernière phrase. Alors, je peux cesser de vouloir te convaincre et travailler à comprendre ce qui se passe en moi. C'est ça. Tout est là. Tout est là-dedans. OK? Super. Bon, bah, du coup, on va switcher sur le deuxième accord Toltec qui est contenu dans ce cours-là, puisque maintenant on a appris à être sceptique, donc à garder ce pouvoir personnel, d'accord? Je ne donne plus le pouvoir à l'extérieur. Mais je suis sceptique avec moi-même aussi, hein? Je me remets en doute, je garde mon esprit open mind, je suis toujours prête à me revisiter et à faire des révisions dans mes textes, dans mes copies, dans mes pensées, etc. Bon, bah, du coup, maintenant on est un petit peu plus prêt, peut-être pour la parole impeccable. OK? Parole impeccable, peut-être un petit peu plus familier de tout le monde. Alors avant ça, je voulais vous représenter, vous remettre en conscience de quoi on parle quand on parle de la parole. Okay? Ça, c'est un classique. Je ne sais pas si ça s'affiche maintenant à l'écran. Le message que j'envoie est reçu à 7% par ce que je dis, c'est-à-dire les mots. Voilà. Donc parole impeccable. Ça représente que 7%. Je voulais juste vous le remettre en conscience parce que bien sûr cet atelier s'appelle les mots magiques. On va voir à quel point il se passe énormément de choses. Mais pour être totalement juste avec vous, je devais quand même vous rappeler en conscience que, alors oui, on s'intéresse très fort, mais à 7% seulement. OK? 38% par la façon dont je le dis. Donc la voix, l'intonation, le volume, le rythme. Et enfin, 55% par mon corps, les mouvements, les vibrations, mon corps émane, mon état interne et les émotions dont je colore mon discours. Ça, c'est important. On aura de toute façon un volet spécifique que sur l'art de la communication, comment maîtriser la communication dans nos différentes sphères, soit au travail, etc., dans un couple et tout ça, tout ça. Mais je voulais remettre un petit peu ça à l'ordre du jour. Puisque oui, on focalise beaucoup là sur la parole et sur les mots magiques. C'est un petit peu ce qu'on disait au tout démarrage, c'est-à-dire que oui, c'est un tout la communication, d'accord? Donc il peut y avoir le mot juste. Eh ben là, on se rappelle quand même que s'il n'y a pas la bonne intonation, ça va pas y aller. C'est facile là, à comprendre. Le mot merci, ouais? Le mot merci. On le voit en plus avec ces modèles de communication qui se répandent de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus, où on passe plutôt par du texto ou par du messenger. L'information est facile, on n'a pas besoin de se parler pendant des heures pour envoyer une info. Ça va vite, c'est génial. Sauf qu'il n'y a pas l'intonation. Ok? Donc c'est difficile de décrypter derrière. Un merci, selon l'intonation, il peut vouloir dire tellement de choses différentes. Ouais. Tu vas me dire quelque chose. Je vais te dire, Letty, tu vas me dire, je sais pas, un compliment. N'importe lequel. Je vais dire, oh merci, ça me touche ce que tu me dis, merci. Paf, je suis en ouverture, j'ai reçu et je te dis ce que je ressens à ce moment-là. Je ressens de la gratitude. Ce mot-ci, là, il exprime, je ressens de la gratitude à l'intérieur. Ouais. Je peux très bien dire, ah bah d'accord, merci. Ok, j'ai compris. C'est les mêmes mots que je vais utiliser là. Et pourtant, je ne suis pas du tout en train de dire la même chose. Ouais, je peux vous en faire encore un autre avec le merci de. Ouais, bah d'accord, bah merci qui? Merci. Vous voyez, donc chaque. Là, je suis en impro, je ne les ai pas préparés mes exemples, je vous avoue, parce que ce n'est pas le super sujet d'aujourd'hui sur cet aspect-là, le non-verbal. Mais voilà, on garde ça un petit peu dans notre tête, ok? Maintenant qu'on a gardé ça dans notre tête, eh ben, on va voir en profondeur comment est-ce qu'on peut s'assurer la qualité de nos 7% dans le message que j'envoie, ok? Avant de s'intéresser aux autres. Donc. Cette phrase de Bernard Werber qui est connue, mais que je trouve qui avait vraiment sa place dans cet atelier, entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que j'ai dit, ce que tu as envie d'entendre, ce que tu entends et ce que tu comprends, il se peut qu'on ait des difficultés à communiquer, mais essayons quand même. Ok, je te repasse le bâton de parole, Letty, quand ça s'affiche de ton côté. On va s'intéresser du coup à parole impeccable, la parole en elle-même. Ça y est. Bon, pardon, du coup, ça a bugué complet de mon côté. J'ai pas entendu.
La parole, notre mode d'expression naturel, possède un énorme potentiel pour le meilleur et pour le pire. On a depuis longtemps conscience du pouvoir des mots. C'était déjà le cas du temps où on se servait des exhortations et des formules magiques pour jeter des sorts ou, à l'inverse, pour désenvoûter. Même si de nos jours, à l'heure où la raison et la technologie dominent, on ne croit plus vraiment à la magie, on reconnaît en tout cas que les mots peuvent avoir des conséquences importantes, car on sait tous qu'il existe une étroite relation entre les pensées, les mots et les actes. Alors on le sait, mais c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, on le sait, mais on ne l'a pas vraiment encore conscientisé au point que ce soit intégré, quoi. L'abus verbal. La psychologie considère que l'abus verbal est aussi nuisible que tout autre type de maltraitance, soit-elle physique ou sexuelle. Quand nos mots ne sont encore que des pensées, il est donc encore temps pour nous de faire en sorte de ne pas être dans la critique, le jugement ou la négativité au moment de verbaliser les choses, et que nos mots ne se transforment pas en dards vénéneux. À Ça, ce on moment. commence à l'apprendre ça, hein, depuis le début, d'accord? On n'a pas encore travaillé sur la maîtrise des pensées. Par contre, on s'est déjà assuré d'aller scanner un petit peu ce qui se passe à l'extérieur grâce à notre vacuum et de s'assurer quand même que le juge, c'est nous qui allons lui donner la parole. C'est pas lui qui va être intrusif, hein. On lui apprend à être plus équitable, plus complémentaire, d'accord? Donc, à maîtriser un petit peu cette parole de fait, tout, ouais. Okay. À ce moment critique, mieux vaut donc respirer profondément afin de transmettre au cerveau un message de calme. Demandez-vous si ce que vous voulez dire va être constructif, que ce soit pour vous ou pour les autres. Si vos mots vont représenter une contribution positive ou si, au contraire, ils vont affaiblir les personnes qui vous entourent ou les relations que vous entretenez, voire même leur nuire. Ouais, ça aussi, dans l'art de la communication. Ben oui, je vais descendre jusqu'à ce détail-là de ça va créer quoi chez l'autre. Il y a des situations, je cherche un exemple, si je peux avoir un exemple rapide qui l'illustre bien. Il y a des situations où la parole, elle va être propre, elle va être juste, ce que je dis, c'est une vérité, c'est valable, c'est recevable. Sauf que la personne à qui je suis en train de le dire, ben ça va juste la fermer. La réduire, la mettre pas bien. Par exemple, voilà, merci, on le connaît tous sur je te l'avais dit, non? Je te l'avais pas dit? Je te l'avais bien dit, d'accord? Ah oui, bah du coup, c'est moi qui ai raison alors. Vous voyez, ce genre de phrase-là, oui, c'est vrai, non, il n'y a rien de négatif envoyé vis-à-vis de la personne, il n'y a pas d'empreinte énergétique néfaste. Ouais, sauf que ça apporte quoi à l'autre? Qui est déjà dans l'erreur, qui en a pris conscience, d'avoir quelqu'un à côté qui dit ouais, là, ça aide pas, là. Ok? Donc, c'est le premier exemple là, qui me vient, parce que je crois qu'il est assez flagrant, on l'a tous déjà vécu ou dit, tu vois, j'avais raison. Là, cette communication, elle me sert que à moi. Là, je me gargarise, j'avais raison. Non, mais c'est vrai, ça sert à l'autre, ça lui sert à rien, cette information. Oui, ok, so what? Est-ce qu'on peut continuer là à avancer? Ouais. Tu veux pas remettre juste la page d'avant parce qu'à un moment donné, moi, ça m'a fait penser au bouton pause là. Attends, que ça C'est exactement ça, s'affiche. hein. C'est ce qu'on apprend depuis le début, hein. À ce moment critique, mieux vaut donc respirer profondément afin de transmettre au cerveau un message de calme. Moi, boum, bouton pause en fait, non, c'est ça? C'est ça, Dans c'est ce juste. genre de moment-là, en fait, tu prends le temps d'une respiration et c'est la pause qu'il te faut pour dire, oh là là, je lui saute dessus, je lui arrache la tête, ou alors, Bien oui, sûr. je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi. On va rendre cette conversation peut-être à plus tard. Je suis plus en état de la continuer. C'est ça. Ouais. Donc bien sûr c'est le bouton pause. Simplement j'essaye de comment dire de varier. Oui, non, mais fin, En fait comme la dernière, ça me comme semble une autre façon de dire, du coup, de bouton de pause, là. mais oui, grave. C'est tout pareil. Le truc, c'est que j'essaie de faire attention. J'écoute vos retours aussi. Et bon, certains outils, où je crois que ça va aider de le présenter d'une certaine manière. Puis du coup, en fait, c'est tellement mon langage que les autres vont peut-être être moins réceptifs. Ou les gens qui reçoivent la formation vont être peut-être moins réceptifs. Donc finalement, bah, appelons un chat un chat. Ce que j'avais appelé bouton pause, ouais, c'est...
Voilà. Donc, je préférais là dans cette présentation enlever l'appellation bouton pause, mais bien vu, c'est tout à fait lui qui était caché derrière le. Alors, une question de. Oui. Alors, où est-ce que tu as. Alors attends, là je ne sais plus où Apprendre on à est. Apprendre à parler, voilà. parler. Oui, c'est parti. Bien sûr, cela fait longtemps que vous avez appris à parler, mais il ne s'agit pas seulement de savoir parler, il s'agit surtout de savoir comment le faire, et ce, avec intelligence émotionnelle. Certains ponctuent leurs phrases de gros mots, quand d'autres passent leur temps à médire, insulter ou critiquer, que ces critiques soient portées sur vous-même ou sur les autres. Techniquement, ces gens-là savent parler, mais utilisent-ils la parole à bon escient? D'autre part, il est indéniable que le langage remplit une fonction communicative vitale. C'est pourquoi il n'est pas sain de réprimer ce que l'on pense et ce que l'on ressent. En effet, dans nos vies, d'être imparfait, tout n'est pas toujours rose. Dans ces moments de négativité, de haine ou de douleur, non seulement on a le droit de s'exprimer, mais les autres ont aussi le droit d'être traités avec respect. Eh oui, c'est cette subtilité-là qu'on va apprendre à maîtriser. C'est-à-dire que d'un côté, on sait sur le plan thérapeutique que on va pas réprimer. Hein, ce que je réprime s'imprime. Hein. Donc, bien sûr que la parole est libératrice, elle est salvatrice. Donc, il faut bien que je fasse sortir là en mots ce qui se passe en moi, ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, la thérapie, d'accord? Verbaliser, me sentir écouté, cheminer, comprendre, sans être coupé. Pour avancer dans mon cheminement. Là, ce qu'on est en train de nous dire, c'est que oui, bien sûr, tu as le droit, c'est même encouragé, parle, dis, hein, exprime les choses de l'extérieur. Pour autant, prends conscience quand même qu'il y a un interlocuteur en face. Donc, même si ce que tu me dis me met très en colère, c'est pas une raison pour que je t'insulte, que je t'humilie, que je te blesse, puisque juste parce que moi, je viens de l'être, quoi. Ouais. D'accord, ouais. Donc, sur le power qui arrive là, je ne sais pas si vous l'avez déjà à l'écran, j'essaie de synthétiser vraiment hein, les enseignements de Don Miguel Ruiz sur cet accord-là. Ma parole est impeccable. D'accord? Pour qu'on sache, ok, on a bien compris qu'est-ce que ça veut dire, ma parole impeccable. Enfin, j'espère que vous l'avez saisi dans cette présentation-là. Là, j'essaie de vous le présenter de façon assez synthétique. De manière à ce que l'inconscient puisse recevoir aussi avec les petites images, les petites couleurs et tout ça. Ça veut dire quoi, parole impeccable? Ok? Donc je vais m'appliquer à parler avec intégrité. Ça va pour tout le monde ce mot, intégrité? Ouais. Intégrité et justesse, du coup. Oui. Je ne dis que ce que je pense vraiment. Donc ça, c'est un exercice, il a l'air facile comme ça. Eh ben, je vous assure que c'est pas si facile que ça. Parce que si je ne dis à voix haute que ce que je pense vraiment, ça veut dire que tant que je ne suis pas sûre de ma pensée, oui, bon, je vais prendre le temps d'y réfléchir. Et là, on approche une parole beaucoup plus facilement, plus sage. C'est-à-dire que plutôt que de vouloir encore une fois combler un vide, je peux être en mesure de discuter avec quelqu'un et de dire, bah, écoute, j'ai jamais réfléchi, je préfère qu'on en parle plus tard. Plutôt que de absolument avoir un avis sur tout. Ou avoir une opinion, avoir des connaissances, avoir du machin, puis du coup, non, je vais dire que ce que je pense vraiment. Et puis d'abord, il va falloir que j'écoute ce que je pense vraiment, ce qu'on a vu au début, hein, faut savoir écouter les autres, savoir s'écouter soi. Donc je vais d'abord cheminer, écouter, c'est quoi ma pensée? Peut-être que je vais aller me renseigner, ça fera pas de mal d'aller vérifier des sources d'une information, par exemple, et d'aller me positionner par rapport à ma pensée à moi. Je peux la découvrir, ma pensée à moi, que si je me laisse ce temps de l'explorer. Sinon, je fais que servir du pré-mâché qu'on m'a déjà pensé à ma place. Ou une espèce de conflit ou d'opposition juste pour exister en face de l'autre. D'accord? Ensuite, donc, je parle avec intégrité, je ne dis que ce que je pense vraiment. J'évite d'utiliser la parole pour m'exprimer contre moi-même ou pour médire d'autrui, là aussi. En fait, on va apprendre dans la parole impeccable à se taire, hein, déjà, avant tout. Et enfin, j'utilise la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. Mais sérieusement, là, ça te faisait rigoler. Le silence, vous allez le visiter, hein. Vous allez y avoir droit à votre dose de silence, mais pas de suite. Quand on va travailler sur la maîtrise des pensées, dans deux ateliers, on y est, sur la maîtrise des pensées. Bah, j'étais quand même bien, c'était super tentant quand même, parce que c'est vraiment ça qui se passe, parole impeccable. On va déjà apprendre
à se taire. Ah mince, j'ai pas mis dans le bon ordre mon pouvoir, c'est pas grave. Donc évidemment, si je ne sais pas encore de suite, parce que je suis en train d'apprendre, hein, donc si je ne sais pas encore parler propre, juste, avec un bon mot, déjà je vais apprendre juste à ne plus envoyer des postillons de balles là. Hein. Voyez-le comme, je sais pas, pour moi c'est vraiment des images de météo. Donc soit j'ai des jolis mots et puis ça fait le même effet qu'un rayon de soleil ou qu'un arc-en-ciel, ça va mettre de la lumière dans la vie de la personne qui est en face parce que les mots ils sont beaux, il y a de la paillette, il y a de la couleur, il y a de la vibration juste, il y a une parole qui est propre et qui fait du bien, d'accord? Soit je vais avoir des nuages noirs qui vont sortir de ma bouche, qui peuvent faire un orage à tout moment, soit c'est carrément une espèce de dégueulis, c'est les égouts quoi, qui sortent là. Bon, pour prendre conscience de ça, ces petites images que je vous donne là, bah imaginez une personne, un être, un animal, un enfant, n'importe, en face. Le travail, il a déjà été fait. Hein. On le verra justement avec la maîtrise des pensées. Cette expérience, elle a déjà été menée par Feu, le professeur Emoto, avec son bol de riz. Je laisse faire vos recherches, mais de toute façon, on va le regarder plus en détail, ce pouvoir-là, qu'il y a à travers la parole. Donc, quand on parle d'utiliser la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour, eh bien, on a déjà quatre mots qui nous y aident parfaitement. Donc c'était évidemment l'occasion de vous présenter, pour ceux qui ne connaissent pas, ça devient quand même super international ce truc-là, l'Oponopono. Est-ce que vous connaissez ce truc-là? Tu connaissais ça? J'avais entendu, mais dans le détail précisément, non. Bon, c'est hyper fastoche, tu vas voir. Allez, je te laisse nous décrire, quand ça arrive sur ton écran, le cadre, la présentation. C'est quoi? Ça vient d'où? Ça parle de quoi? Et puis ensuite, on verra les super jolis mots qui constituent l'Oponopono. Le Ho'oponopono, parfois traduit en remettre les choses en ordre, rétablir l'équilibre, est une tradition sociale et spirituelle de repentir et de réconciliation des anciens Hawaïens. Définie comme purification spirituelle au sein d'une réunion familiale, durant laquelle les relations sont rétablies par des prières, l'acte de contrition, la repentance et le pardon mutuel. Des coutumes identiques de thérapie familiale se retrouvent aussi dans toute la région de l'océan Pacifique. Le Ho'oponopono traditionnel était dirigé par un prêtre guérisseur pour guérir les maladies physiques ou psychiques au sein des groupes familiaux. La plupart des versions modernes sont conçues de telle façon que chacun puisse le faire seul. Ho'oponopono se pratique sur tous ceux avec qui ou quoi vous entrez en relation, connexion. Ouais. Donc, on a compris, c'est une pratique thérapeutique familiale, la base. Ce sont ces quatre mots-là que je vous mets à l'écran. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Miam, encore. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ouais. Alors il y a quelque chose d'assez magique qui se passe avec ces quatre mots et avec ce Ho'oponopono qui, on vous l'expliquait là, ça date quand même. Hein. C'est pas nouveau, mais tous ces enseignements ils datent, hein, ils sont pas nouveaux. C'est juste que encore une fois, oui, je sais, oui, mais t'as pas compris, c'est pas descendu. En tout cas, tu l'utilises pas. Sinon, ça se verrait quand même dans les relations ou sur soi. Voilà, c'est ça que je vous envoie ici. Ok, donc il se passe quelque chose d'un petit peu magique, c'est que derrière ces quatre mots. Je vais oser vous y amener aujourd'hui sur ce concept-là. Ce n'est pas tant les êtres qui reçoivent l'information, c'est au niveau des âmes. La vibration de ces mots est tellement élevée que ça nettoie, ça purifie, ça guérit d'âme à âme. Vous le savez sans doute pour la plupart qui suivent cette formation que je fais aussi des lectures d'âme, où je travaille aussi en lecture d'âme, et pas que en coaching ou en thérapie. C'est juste. C'est doux, c'est propre, c'est beau, c'est merveilleux, ça nettoie. Ce que j'observe par contre vraiment dans ma pratique, c'est que un seul passage ne suffit pas du tout. Donc c'est la pratique Ho'oponopono, c'est un peu comme un mantra. Tu vois, le premier réflexe que j'ai eu quand tu l'as mis, c'était miam encore. Quand on utilise ce travail-là sur une approche justement de guérison de l'être grâce à l'âme, je précise si c'est besoin de le préciser, l'âme n'a pas du tout besoin d'être guérie par quoi que ce soit, et encore moins par un être incarné.
Enfin, l'idée, déjà, il faut comprendre ce qu'on est en train de dire. Donc, non, C'est ok, bien vrai, c'est ça c'est l'être. bien vrai, ça c'est bien. Pardon? J'ai dit ça c'est bien vrai, ça. Non, mais tu vois, quand tu réfléchis 2 secondes, moi, Non, petit parce que être en âme. les guérisseurs d'âme, les je sais pas Non, quoi, c'est pas possible. on se Moi, je paye de suis un mots, petit être n'importe dans quoi. la boue, incarné dans une dimension super dense. Et moi, je vais nettoyer. Ou je vais. Non, mais. On réfléchit 2 secondes. Non, ça va pas. Ok, donc cette appellation, c'est pas grave. Dans le sens où. Tu sais, passage d'âme, c'est pareil. Hein. Passage d'âme. Non, il n'y a pas besoin de faire passer quoi que ce soit. Esprit? Je peux faire remonter l'esprit à sa source, à l'âme. Mais l'âme n'est pas dans le corps. Donc. Il n'y a rien à faire passer. Bon, bref, ce sont des distorsions de langage. On ne va pas forcément aller jusqu'à ces sujets, mais simplement prendre conscience de l'impact de ces mots. Testez-le. Mais simplement, ce que je veux vous transmettre, c'est. Alors, oui, non, mais pas qu'une fois. Je ne sais pas pourquoi cette notion de mantra, le côté vraiment où, allez, je m'y installe. Alors, sur la pratique, ça veut dire quoi concrètement? Pratique Oui, Ho'oponopono. c'est ce que j'allais te demander. Ouais, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est super beau, t'as des jolis mots, je vais me les tatouer, et puis quoi, quoi. Bon. J'en entends tellement en cabinet. Oh, J'en ça va, fais tu te calmes avec ton oponopono, là, c'est bon, quoi. les valises. J'en ai les valises pleines. Bon, comment je vais le travailler, le Ho'oponopono? Bien. Alors, déjà, on peut se l'offrir à soi. Pour certains, c'est déjà très compliqué, ce Ah, que je ben suis en train oui. de dire là. Ouais. D'accord, si c'est trop compliqué, mais on va encore passer un petit peu par l'extérieur sur la pratique avant d'être capable. De toute façon, je veux pas vous allez y arriver à vous les dire ces mots-là, hein, parce que dans la formation, il y a du level un petit peu supplémentaire sur ce concept d'amour de soi. On va tous y passer dans le toboggan de l'amour de soi. Ok, sur la pratique, je peux avoir une tension, une distorsion, un conflit, une blessure, une déception, une douleur relationnelle. On est sur du relationnel, pas que familial. Et pas que des gens qui sont vivants, et pas que des gens que je côtoie encore. C'est ça qui est vraiment puissant et magique avec cet outil. Je ne vous demande pas de me croire, je vous demande juste de le tester et de l'appliquer. Je ne vous demande vraiment pas de me croire. Testez simplement, ça peut faire que du bien. Ho'oponopono. Donc, Soyons sceptiques. ouais, pratiquez pour avoir vos réponses. Évidemment que ouais. Ok, donc. Je peux être voilà, dans quelque chose qui n'est pas clean, en tout cas au niveau relationnel. Je vais simplement m'accorder du temps à me brancher sur cette personne. Ce que j'appelle me brancher sur la personne, ça veut dire que je vais amener ma conscience, je vais me concentrer sur une personne. Alors, ne me faites pas des. Pomme, je ne fais pas ça. Faites comme vous voulez. Ne vous créez pas des besoins. Ce que je veux dire par là, c'est. Alors, il faut que j'allume une bougie. Il va falloir que je mette une photo de la personne. Puis j'ai une messe de cheveux. Non, ça, c'est des pratiques vaudou. C'est pas pareil. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin d'une photo. Il n'y a pas besoin d'une bougie. Il n'y a pas besoin des encens spécifiques de tel machin pour pratiquer tel bidule. J'ai pas besoin d'avoir en même temps des tac 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 des grelons, des machins. No way. Simplifiez, ne vous créez pas des besoins. Donc, si ça vous apporte un confort supplémentaire, magnifique, on y va. C'est-à-dire que je vous faisais un petit truc comme ça, là. Bon, ok. Il y a de la vibration aussi, hein? Donc, je peux, si c'est plus confortable pour moi, je peux accompagner par du bruit, par du son, par des cliquetis. Moi, j'aime bien les sons un peu comme ça, là, avec les bracelets, et tout, quoi, avec des petites cymbales. Bon, si je sens que je suis plus vrai, que je vais plus en profondeur, en utilisant ça, d'accord? Un tambour, pourquoi pas? Moi, je veux bien. Hein, un tambour, partez dans ce qui vous inspire, si ça vous apporte plus de confort. Par contre, s'il vous plaît, ne vous créez pas de besoin, parce que cet outil se suffit à lui-même. C'est vous qui avez besoin du cérémonial. L'outil n'en a pas besoin. Le Après, on mot. risque de tomber dans le je fais bien parce que j'ai la bougie, parce que j'ai l'encens, machin, mais qu'au final, l'intention derrière soit complètement fausse ou absente. Absente, oui, c'est très bien vu de ta part, bien sûr, merci. Effectivement, si je concentre autant mon attention ou ma concentration à des faux besoins, ah non, mais je peux. En fait, ça, j'espère que ça va bien marcher au Pono Pono parce que j'avais pas de bougie. Oh. Ok, pardon de mon agacement, mais j'aimerais qu'on monte en conscience là. Hein. On est en train de travailler sur la puissance d'un mot, la puissance d'une vibration, la puissance du verbe et à quel point ces mots-là.
ont un impact vibratoire à qui les reçoit. Ok, donc qu'est-ce que vient faire la bougie là-dedans, pardon? Ce qui peut être un peu plus compliqué à appréhender, je conçois parfaitement, c'est mais comment ça peut marcher alors que la personne n'est pas en face de moi? Parce que c'est ça Ho'oponopono. Hein, ce qu'on vous disait, c'est que dans cette approche plus moderne, ça peut se pratiquer tout seul. Ah waouh, c'est intriguant ça. Comment ça se fait? Et du coup, tout à l'heure, tu disais que c'est quelque chose qu'on pouvait faire avec quelqu'un qui était, même à quelqu'un qui n'était plus vivant. Mais Oui. du coup, comment ça, moi, la question, c'est, là, tu viens de dire à l'instant, la personne qui les reçoit, ces mots-là. Mais comment cette personne peut les recevoir, du coup, si admettons que j'ai Ah, une mais on ne tata l'a avec pas qui, dit. que j'aimais beaucoup, mais qui m'avait beaucoup blessée, qui m'a fait du mal et machin, et que du coup, je veux rétablir les choses, les relations entre cette personne-là et moi, mais qu'elle est morte, ma super tata, qui m'a pourri la vie. Comment ça marche, hein? Bon, alors excuse-moi, mais déjà, c'est une joke, hein. Mais déjà, pardon, tu crois que parce que t'es mort, t'as plus d'email, t'as plus de. Non, tu crois qu'ils peuvent pas recevoir les informations, ça se Non, passe? mais allô, quoi? Non, mais allô, quoi. Je veux dire, quand même, tu vois. Non. Ben ouais, La mais réception des messages se fait très, très ça bien. me semble, Mais ouais, c'est fin, une ça me super semble bonne pas si question. évident, quoi. Mais évidemment. Non, je te taquine parce que ça me fait rire de dire. C'est juste de la taquinerie, pardon. Mais oui. Mais bien sûr que la question, elle est essentielle. Elle est tellement naturelle, surtout qu'on va dire, mais en fait, de quoi tu me parles? Il n'y a plus rien. Alors, ça veut dire, je vais au cimetière, je me mets en face d'une tombe ou quoi que ce soit. Pas du tout nécessaire. On est sur de la vibration. D'accord? Donc, même si cette personne, c'est un concept un peu plus étendu que les mots magiques, mais même si cette personne n'est plus incarnée, incarnée, ça veut dire que cette conscience, cette énergie, elle est contenue, d'accord? Voilà, c'est comme la mer, un océan, ok? Et tu vas en mettre une partie dans une bouteille. Elle est incarnée, enfin, elle est embouteillée, du coup, ouais? Elle est mise en bouteille, cette eau-là, d'accord? Et puis la bouteille, elle s'est cassée. C'est-à-dire que là, elle est très très vieille, cette bouteille. D'accord? Donc, du coup, ça y est, là, elle a fait son chemin, la bouteille. Non, partez sans moi, tu restes là. La bouteille, elle a fini son job. Ok? Est-ce que l'eau existe encore ou pas? Ok, l'eau existe encore. Voire même, hein, si je peux aller encore plus loin, et je suis OK à en parler avec vous, ou à en discuter, ou à prendre des retours, ou des critiques, ou des reproches, il n'y a pas de souci. On est là pour partager nos expériences et points de vue. Mais si je peux continuer, bah, l'eau, à un moment donné, va prendre une autre bouteille. Ça s'appelle la réincarnation. Donc, ce n'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Ça fait partie des leçons. Si on pouvait l'inculquer à tous les humains. Ce n'est pas parce que je ne vois pas que ça n'existe pas. Et ce n'est pas parce que ça n'est pas dans une forme telle que j'ai Une associé perception éventuelle de l'avoir. l'existence d'une, la réalité, l'existence d'une personne avec un corps humain, avec une voix, avec un son, avec une personne, une identité, pour utiliser le mot. Donc j'ai associé la conscience, l'énergie, une conscience, d'accord, avant d'être d'une personne, une énergie, une conscience, à une identité. Donc pour moi, humain, c'est très compliqué, et je conçois ça, de concevoir que, alors non, en fait, c'est pas la personne qui est, c'est pas l'identité qui est la conscience, c'est la conscience qui utilise une identité, oui? Qui Ok. incarne, qui visite, qui explore une identité. Ça va? Ouais. Bon, alors du coup, ce Ho'oponopono, même si cette identité n'existe plus, si cette personne n'existe plus, ces informations qui ont constitué son identité, ces informations-là, cette énergie, cette conscience-là, continuent à être sous différentes formes. Ça va ou pas? Ok, oui. Donc de toute façon, c'est reçu. On est des êtres multidimensionnels. On peut, alors sur ce système, là ça m'envoie un peu loin, c'est peut-être pas ce cadre ici aujourd'hui, mais c'est intéressant.
Tu sais, parfois, on va me poser des questions sur justement les lectures ou les communications avec des défunts. Et bah, parfois, ça bug un peu en disant, mais je comprends pas parce que c'était mon arrière-mémé. D'accord, mais comment il peut être en même temps mon arrière-mémé et être en même... Tu vois, cette notion de temps-là, où les gens vont bloquer un petit peu en disant, mais attends, je ne comprends pas, parce que j'ai bien compris le principe de réincarnation et les accords d'âme. Du coup, ça veut dire, en fait, là, c'était mon père, mais dans la vie d'avant, c'était moi, sa mère. Alors, comment, tu vois, ça bug parfois un petit peu, des gens de dire, du coup, ça va rester mon grand-père combien de temps? Parce que ça se trouve, la fois prochaine, je suis sa tante. Donc, sur cette notion de combien de temps, c'est difficile à transmettre les informations que moi je reçois pour l'expliquer, parce que je les apprends en même temps que vous, ces choses-là. Je n'ai pas la science infuse. Mais c'est vraiment cette notion de ce qui a été, d'accord? Donc, cette identité, ta tante, là, ouais, ça s'est matérialisé à un moment donné, ouais, pendant son vivant. Donc, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience, au niveau de l'existence, ouais, de ta tante, toutes les fois que toi, tu vas penser à cette conscience-là, ou que tu vas vouloir te réfugier dans la pensée, ou consulter, poser une question, ouais, cette conscience va réutiliser le costume de tata pour que ça te soit familier, que tu puisses reconnaître. Ce qui ne veut pas dire que cette conscience, c'est pas déjà réincarné en même temps, hein, en quelqu'un d'autre. Mais pour toi, de ton vivant, pendant tout le temps que tu seras vivante, puisque toi, tu as associé cette énergie, cette conscience à tata, elle restera tata. Donc du coup, ça nous, est-ce que ça nous le, est-ce que ça nous l'enverrait pas aussi un petit peu en même temps à nous, ce Ho'oponopono, quand on l'envoie à la tata qui n'est plus là, ou à ma grand-mère, ma fille, ou quoi, est-ce que ça me l'enverrait pas aussi un petit peu à moi aussi, est-ce que ça mettrait pas un peu de biafine sur mes bobos? Et comment ça se fait? Je vais aller plus loin. Et comment ça se fait que ça m'envoie aussi à moi? Parce que c'est C'est pas trop pareil. simple. D'abord simple, après on pourra voir en profondeur. Mais d'abord simple, comment ça se fait que ça me l'envoie aussi à moi? Parce que les mots ont une certaine vibration, une certaine énergie de par eux-mêmes. Mais oui, je suis là déjà. Si je suis en train de dire, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Je suis baignée de cette vibration-là. Ma pièce, elle est remplie de cette énergie-là au moment où je le dis. Bon, là, je l'ai dit en étant un peu fatiguée, machin. Dans la pratique, votre pronopono, c'est pas uniquement dire. Ça vient vraiment du cœur, du dedans. Je ressens les choses. Alors, je voudrais quand même, sur cet exercice-là, au pronopono, il y a certaines personnes qui peuvent être en difficulté sur certains mots. D'accord? De dire, alors attends, le gars, il m'a trompé, il m'a trahi, ou ma mère, elle m'a abandonné, il m'a fait ceci, cela. Et tu es en train de me dire que pour tout réparer, pour tout guérir des blessures qui sont dedans moi, il faut que moi, je dise que je suis désolée. Ah, ça, il y a des gens, ils peuvent pas, c'est dur. Hein. Se dire, je suis pas désolée, je suis victime. Ou le pardonne-moi, pareil, j'ai rien à me faire pardonner, moi. Oui, ou je t'aime. C'est lui ou c'est elle qui est coupable. Je t'aime pas, je veux bien faire du Ho'oponopono, mais je t'aime. D'accord, donc ces mots-là, et c'est aussi pour ça que je commençais dans l'introduction sur Ho'oponopono, pour vous dire, alors vraiment, il faut comprendre, ça se passe d'âme à âme. On va aller un petit peu en profondeur là-dessus, donc accrochez-vous, et puis surtout, n'hésitez pas à intervenir pour dire, ah, tu m'as perdu, Tamara, je comprends pas, je comprends plus, redis-moi ça, d'accord, si tu peux garder un œil sur le chat, je sais que là, on arrive déjà sur des profondeurs autres. Ok. Dans la compréhension du cheminement de l'âme, des interactions et des relations qui peuvent se tisser entre nous tous. Attends, excuse-moi, je te coupe, mais Benjamin a dit à un moment donné, ma mémé quantique. Pousse en l'air, Benjamin. Ma mémé quantique, ça n'a pas de prix. Mais tellement. J'adore. Dépose un truc, hein, Benjamin. Mémé quantique, là. Ouais. Moi, ça me donne envie d'être une mémé quantique. D'un coup, là, j'ai. Oh, ouais, j'aimerais trop être une mémé quantique. Déambulateur cosmique, mémé quantique, c'est magnifique. C'est trop beau. Super. Voilà, excuse-moi, c'était... Non, non, mais tu fais bien, au contraire. Merci. Ok. Allez, on monte à ce niveau-là. On est capable. On y va. We can do it. Je suis désolée, pardonne-moi. Ici, dans la représentation théâtrale de ce qu'est ma vie,
Il faut qu'on se prenne un scénario de départ, comme ça sera plus concret pour les gens, d'accord? OK. Donc, je sais pas qu'est-ce qu'on peut m'avoir fait comme atrocité que je sois une grosse victime là. Il y a mille possibilités. On part dans le truc bien trash, bien Ouais, dur. bien trash comme ça, on retient Ah mieux. bon, mais tonton André t'a violé quand tu avais 5 ans Parfait. sous le toit familial à côté de ta petite sœur. Ok, André, C'est horrible, tonton. hein? Ouais, super, comme ça on retient bien. Oh, Oh. ok. Rien que de le dire, c'est dur, je trouve. Ouais, Ouais, carrément, ouais. carrément, Ah, pour le c'est coup, tu vois. affreux. Là, on est parti carrément. Ouais. Voilà, donc inceste, viol, sous la maison familiale, à côté de ma soeur. J'ai le concept, j'ai le truc, ok. Tonton André, hein, c'est lui dont on parle. Tonton André. Donc maintenant, moi, j'avais quel âge? J'avais 6-7 ans, c'est ça? J'étais petite? Oui, si tu veux. Oh, par là, ok. Oui. Bon. Forcément, il y a plein de parties de moi qui sont blessées, détruites. On s'imagine, je pense que j'ai quand même pas besoin de vous expliquer en quoi un viol peut être dévastateur dans la construction et dans le développement d'un être. Donc j'arrive, moi, je suis, mais alors, en miettes. Ma relation avec les hommes, c'est compliqué. Ma relation avec moi-même, c'est compliqué. Tout est douleur, tout est souffrance. Ou soit ça va être en introversion. Bon, je vais pas vous faire tous les cours de psycho là sur le viol. C'est What's the point? Ok. D'accord, donc j'arrive, je suis détruite, je suis démolie. Et puis je vais rencontrer un thérapeute, il me dit, tu connais Ho'oponopono? Non, qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Je connais Ping Pong, mais pas Ho'oponopono, c'est quoi ton truc? Ok. On va m'initier à ça et puis on va me balancer ces mots-là, mais moi, en tant que victime d'un viol, je vais dire, ça va être chaud là. Ça va être chaud, t'imagines? Il n'y a aucun de ces mots que je suis capable de dire à tonton André. C'est ça. Il n'y en a aucun des quatre. Comment je me démerde pour pratiquer Ho'oponopono? J'oublie. Ego. J'oublie, je ne travaille pas là. C'est un outil qui travaille d'âme à âme. C'est pas un travail qui à la base est fait au niveau inférieur, j'allais dire, au niveau de l'être, au niveau de cette densité-là. C'est pour ça que ce sont des mots magiques, C'est pas pour Ho'oponopono. la matière. À la base, non. Maintenant, si j'arrive à faire ma pratique propre, belle, en haut, forcément, ça descendra en bas. Hein. Et bon, j'arriverai après, mais dans les expériences que j'ai pu faire, c'est presque flippant. Alors, vous allez dire, comment tu peux être flippé? Oui, c'est presque flippant de dire, ouh, j'étais peut-être pas prête à ce que ça fonctionne aussi bien avec cette personne. Je veux juste pas avoir de dette karmique, c'est ok, mais de là à ce que la personne veuille vraiment revenir en contact, oh non, j'en demandais pas tant. Donc, normalement, si c'est réglé en haut, ouais, ça va se manifester en bas, soyez prêts à ça. Mais vraiment, ce qui est important à retenir, cette dimension-là, Ho'oponopono, agit, waouh, sur les plans supérieurs. Donc, comment est-ce que moi, ici, je peux y arriver? Moi, ici, en étant victime du viol de tonton André, là, c'est compliqué. Mais dans une compréhension plus haute de moi-même. Alors, ça, on n'y arrive pas du jour au lendemain. Hein. J'espère, avec cette formation, vous y amener. Progressivement. Mais dans une meilleure compréhension de moi, ben j'ai bien compris qu'il n'y a pas de victime, il n'y a pas de bourreau, il n'y a pas d'injustice. Tout est juste, d'accord? Ce que je perçois moi comme étant mon bourreau, c'est uniquement avec ma vision de cette incarnation et d'ici et de maintenant. Peut-être qu'au niveau de mon âme, j'avais vraiment besoin d'expérimenter dans la matière c'est quoi le sacré de l'enfance, c'est quoi le sacré de la sexualité, c'est quoi le respect comme ça, charnel, c'est quoi poser ses limites, c'est quoi. J'en suis à ces modules-là au niveau de l'expansion de mon âme. Pour parfaitement recevoir une leçon, j'ai besoin de l'apprendre elle et son inverse. Comment est-ce que je peux appréhender c'est quoi la liberté si j'ai pas déjà. Et si je ne suis pas passée par la case suppression de liberté, je ne peux pas. Donc, encore une fois, vous allez me dire, mais si, je peux. Dans le cognitif, ouais. Mais le cognitif, l'âme, elle n'en a rien à branler, elle n'a pas de mental, l'âme. Ce n'est que vibratoire. Donc, c'est pour ça que je dis pratiquer, 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 vous l'aurez bien compris. C'est que, oui, alors, ok, au niveau cognitif, c'est ok, mais tant que ça n'est pas descendu dans la vibration, ça n'existe pas pour l'âme. Donc, le concept de liberté ou de suppression de liberté, de loyauté ou de trahison, tout ce qu'on peut visiter en tant qu'humain sur cette planète et au sujet des blessures et de leur réparation et guérison, etc.
Je suis de toute façon amenée à passer par l'expérimentation dans la matière de l'un et de l'autre, de avec et de sans, de en excès et de en manquant, pour pouvoir appréhender cette leçon. Je vais volontairement choquer et vous, hein, violenter un petit peu dans vos perceptions là, d'être au service de son âme. On dit souvent que du coup, c'est... Il y a une dimension super angélique, quoi. C'est-à-dire qu'on va dire, ah, cette personne, elle est au service de son âme, alors du coup, elle a des ailes qui lui ont poussé dans le dos, là, elle a une auréole qui lui monte au-dessus de la tête. Ouh, elle est trop sainte. De quoi on parle? Cette notion de bien et de mal, elle n'existe que dans le monde de dualité qu'on habite ici et maintenant, hein. Les lois changent, ne serait-ce qu'en fonction des frontières. À 1 mètre d'écart, c'est pas la même loi, déjà. Ça change en fonction de l'évolution de l'humain. D'accord? Il n'y a pas si longtemps, ben, si tu voles un œuf, tu voles un bœuf, puis on te coupe la main, quoi. Si tu mens, on te coupe la langue. Il n'y a pas si longtemps, ce qui était juste et normal évolue en fonction de nos mœurs en tant qu'humains. Alors vous allez me dire, ouais, enfin bon, le viol, il n'y a pas besoin de tortiller. Il n'y a pas besoin de tortiller sur le fait que ça occasionne de la blessure. Mais comment est-ce que je peux le savoir? Comment est-ce que je peux le savoir au-delà du côté stérile? Oh, ça doit pas être très agréable, ça doit bien choquer quand même. Non, mais au-delà de ça, comment est-ce que ça peut être une conviction, une certitude, une affirmation si je l'ai pas dans ma vibration? Donc, si je n'ai pas été violée, ou si je n'ai pas violé moi, je vais avoir besoin des deux expériences. C'est ça que je dis, pardon, je vais vous choquer. Sur cette histoire-là de se mettre au service de son âme, mais ça dépend où est-ce qu'elle en est, notre âme. Si elle en est si elle est à l'école comme un élève qui fait ses chemins de vie là, sur cette planète Terre-école, eh ben pardon, mais elle n'a pas tous ses modules. Elle n'a pas tous ses modules. Donc elle a encore besoin d'avoir des accords avec d'autres âmes pour dire, ah, mais moi j'en suis là au chapitre loyauté, trahison. Du coup, j'aimerais bien trouver un accord d'âme là, avec le prochain départ là, sur Terre. Parce que j'ai besoin de valider. T'en es où, toi? Ah, toi, t'en es à liberté, suppression de liberté. On peut peut-être faire un accord, toi et moi. D'accord? Du coup, c'est pas quelque chose. Je sais pas si je vais avoir la bonne formule, mais il faut pas voir ça comme une punition, mais plus comme une expérimentation, une expérience de ce que tu es en train de dire, là, des modules, liberté, tout ça. Aide-moi à reformuler là, c'est pas clair ce que j'ai dit. J'ai pas compris le truc. Le passage sur Terre, c'est pas une punition? Bon, non. Non, 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 non. Un cas là, comme le viol par tonton Oui, André là. oui. Du coup, c'est pas quelque chose qu'il faut percevoir comme une punition ou comme quelque chose qui a été mal fait ou comme ben voilà, c'est ma punition d'avoir fait quelque chose de mal ou quoi, mais plus comme une expérimentation, comme une expérience. Oui, ouais, il n'y a pas de. Alors, il faut rien du tout. La sensibilité ou Oui. la vision que je vous apporte là, c'est. Mais non, c'est rien. On ne sait pas ce qui s'est joué entre ces deux âmes. À moins d'aller consulter, d'aller se renseigner sur. Mais comment ça se fait que mon oncle m'a violée? Je lui ai fait quoi? Et c'est quoi le problème en fait? Pourquoi? Ah, c'est moi qui lui ai demandé. Ah bon? Comment on fait ça? C'est Ah, moi qui lui parce ai qu'il me demandé disait ça? pas incarné dans ce corps-là, Non, pas pas dans incarné. cette vie-là, hein, quand Mais au avant. niveau des âmes, il n'y a absolument pas le corps émotionnel, par exemple. Le corps émotionnel, il est présent que dans la matière ici en bas. Mais du coup, c'est vrai que c'est ça. Enfin, moi, Oui. j'avoue, là, ça me perturbe. Là, je me fais Je des vois. nœuds dans le cigare, là, dans le Alors, cerveau, à laisse-moi dire poursuivre waouh, rapidement pardon. l'exemple avec la loyauté, la trahison, la liberté, la suppression de liberté. On va faire un jeu de rôle. Ok, moi j'en suis à liberté, suppression de liberté, puis toi t'en es au module. C'était quoi? Loyauté, trahison. Ouais. On va se faire un petit accord, on va dire oui, c'est dans l'envers. Parce que les âmes se font des checks, hein. Non, je rigole. Donc, on va se faire ce petit accord-là. On est une multitude d'accords pour chaque incarnation. Du coup, puisque moi j'ai le module liberté, suppression de liberté, déjà rien n'est laissé au hasard. Il y a de fortes chances pour que j'arrive dans une incarnation, je sais pas moi, dans un quartier où il y a un petit peu de clouterie, quoi. Tu vois, il va y avoir du petit banditisme.
D'accord? La tentation. Voilà, je vais me donner toutes les chances de vivre dans cette incarnation, la suppression de liberté. Après, n'oublions pas que c'est l'ego qui détient le libre arbitre. C'est qui décide. Mais en tout cas, l'âme va vraiment tout mettre en place, là, bien, 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 pour que je puisse vraiment valider ces leçons-là. Du coup, toi et moi, là, on s'est mis en accord là-dessus. Donc, on va pas être trop, trop éloignés l'une de l'autre. On va se retrouver à un moment donné avec copine, bien sûr. Et toi, tu es en train d'expérimenter loyauté, trahison. Puis moi, je suis bien d'accord pour t'aider dans cette leçon, parce que je t'aime, je ne suis qu'amour. Donc, tu as besoin de quoi? De savoir c'est quoi loyauté, trahison? Pas de souci. On va être copine. Je vais piquer ton mec. Pour que tu ressentes dans ta chair, ça fait quoi? D'accord? De te faire piquer ton mec, pas par n'importe qui, par ta copine, voire même par ta meilleure copine. Yeah! Comme ça, t'es sûr de bien la recevoir, la leçon là. Et puis, si ça suffit pas, si t'as pas encore bien appréhendé la blessure trahison à l'intérieur, c'est quoi déjà ce truc-là? Ouais. Allez, je vais aller jusqu'à te poignarder dans le dos. C'est pratique. Parce que moi, je te rappelle qu'il fallait que dans cette incarnation-là, c'était cool que je passe le module liberté, suppression de liberté. Tu vois comment ça se fait un accord? Ok, super. Donc, tu as ton expérience, j'ai la mienne. N'oublie pas qu'au niveau des âmes, il n'y a pas le corps physique. Il n'y a pas le corps émotionnel. Donc, nous, ces histoires-là, on les voit comme étant affreminables. Quelle horreur! Mais au niveau de l'âme, quand j'en suis vraiment au niveau de l'âme débutante, là, de dire je comprends pas c'est quoi une blessure. C'est quoi une blessure? Je comprends pas c'est quoi une blessure. Alors descends un peu sur terre pour voir et je vais faire punch. Je vais donner un coup de poing dans la tête. Je vais dire, ah ouais, d'accord, j'ai compris c'est quoi une blessure. Dans mon corps physique. D'accord. Donc là, c'est exactement pareil. Ce que je vous dis là, je sais que ça choque, mais je ne peux pas en termes d'âme, en termes de conscience, valider si ça n'est pas passé dans ma vibration. Comment est-ce que je peux respecter le corps d'un autre en termes de sexualité, puisque là on est sur l'exemple d'un viol, si je n'ai pas déjà dans ma vibration expérimenté, c'est quoi de me faire violer, bon sang? Alors je m'en souviens pas. Mais si j'arrive dans cette vie-là, je vais presque vous choquer encore plus, pardon, mais ça arrive en même temps, là, je vous le dis. Si j'arrive dans cette vie-là en étant très, 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 très investi pour la cause de ceci, de cela, c'est peut-être que la vie juste avant, j'étais de l'autre côté de la barrière. Donc, pour dire quoi? Pour dire que derrière ces mots-là, même si moi, ici, je suis victime de mon oncle, j'ai souffert dans ma chair, dans mon corps, dans ma psyché, mais pas dans mon âme. Mon âme, elle est venue dépasser ces choses-là, elle est venue les transcender, elle est venue les appréhender, les maîtriser, les monter en conscience, être dans, elle est simplement dans son trip d'expansion, l'âme. D'accord? Juste grandir. Donc, dépasser le bazar. OK? Oh oui, ça sonne pas pareil là. Oui, je comprends mieux. Ça va pour toi? Oui, oui, Merci, oui. tout le monde. OK? Donc, ici en bas, là, eh ben, oui, j'ai souffert. C'est ma réalité. J'en ai rien à faire de ce que mon âme a eu comme accord avec ce connard d'oncle. Moi, ici, là, ça va pas, là. OK? Oui, sauf que d'une manière ou d'une autre, tout est juste. On ira plus loin en profondeur, hein, dans cette formation, sur cette notion de tout est juste, que je suis obligée de vous l'envoyer que comme ça, sinon on va finir à 3 h du mat. OK? Donc, tout est juste et tout est à sa place. Donc, même si moi, je sais pas dans mon mental, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Qu'est-ce que j'ai demandé? Je ne sais pas qu'est-ce que je suis en train de payer, parce que là, je vous ai parlé des accords, mais je ne vous ai pas parlé des dettes karmiques et tout le bazar. Donc, je ne sais pas. Et comme je ne sais pas, je vais juste me raccrocher à cette notion de, bon, alors, je ne sais pas du tout c'est quoi, mais tonton Henri ou je ne sais plus quoi, j'ai pas du tout envie de me le retrouver dans ma prochaine vie, en fait. Moi, d'ici en bas, en tout cas, ça ne me dit rien du tout. Donc, Ben non. grâce à Ho'oponopono, je vais m'assurer que cette connexion entre Tonton Henri et moi soit propre. Un partout, balle au centre. C'est-à-dire, je ne sais pas, moi, dans cette incarnation, à moins de consulter quelqu'un, je ne sais pas pourquoi elle m'a violée. Est-ce que c'est parce que je lui ai demandé et qu'on a fait un accord d'âme? Est-ce que c'est parce que un rendu pour un donné? Parce qu'on est ensemble en train d'apprendre ces leçons-là. Donc, un coup, je vais être le bourreau, un coup, tu vas être la victime. Comme ça, on va. Hein, check, check, super, loupi, on va apprendre ça ensemble. Je ne sais pas, moi. Ok, ce que je sais, c'est que
Là, j'ai souffert dans ma chair, dans cette expérience de vie-là, dans cette relation-là, j'en ai souffert. Derrière chaque souffrance, il y a une expérience et quelque chose à apprendre qui me permet, moi, d'être plus grande. Et non pas de critiquer l'autre vers l'extérieur ou de me victimiser, mais moi de me grandir, moi de ressortir comme un être plus construit qu'avant cette expérience-là. Et je vous assure, je ne peux pas tout vous faire comme ça dans un cours sur le sujet du viol, mais je vous assure que oui, on arrive à trouver des avantages et des bénéfices à avoir été violée. Oh, je suis en train de choquer tout le monde. En termes d'âme, hein. En termes d'expérience humaine, puisque j'ai vécu ça, je n'aurai plus jamais à le vivre. Qu'est-ce que ça m'a appris? Tu remarques, moi je dis rien parce que si j'interviens, c'est pas choqué que je vais choquer déjà. C'est pas choqué Vas-y. qu'ils vont être. Ah non, moi je. Non, on n'y va pas, on Bah a déjà été un peu non, dans le. parce que non, parce que en fait, je crois que c'est Benjamin qui l'a dit tout à l'heure. Quand tu comprends en fait ce genre de choses. Le plus dur, c'est de décontextualiser quelqu'un qui a subi un abus physique, quel qu'il soit, lors d'une bagarre ou même tu parles beaucoup de viol. Il décontextualise pas en fait, tu vois. Et même ça va plus loin. Et c'est là qu'il faut, parce que tu vois, il y a des enfants qui sont innocents, à qui ça arrive. Il y a des adultes, surtout des dames. Quel est Quand ça arrive à quelqu'un, le meilleur moyen de le nettoyer, et c'est là que c'est encore plus choquant, c'est à quel niveau je suis responsable de ce qui est arrivé. Et ça, c'est terrible à entendre parce que souvent, on est un peu dans le cliché, ouais, mais elle n'avait pas qu'à s'habiller comme une cochonne, sinon elle y aurait arrivé. Mais t'as pas besoin de te faire t'habiller comme une cochonne pour que ça t'arrive. C'est ça le problème. C'est que ça arrive tout Oui, le temps, n'importe comment, mais si tu prends l'enfant par exemple, et les de enfants. comprendre. Et là, c'est là que la pensée de l'âme et la pensée du cerveau, elles diffèrent. Parce que clairement, quand il t'arrive un truc, tu es victime. Tu ne peux pas penser que tu es responsable à un certain niveau. Par contre, la pensée de l'âme, elle a un passif. Elle a quelque chose qui est enregistré qui fait que cette chose est arrivée, malheureusement. Il n'y a rien qui arrive dans la vie qui n'est pas généré, projeté par l'âme. C'est, alors, quel moment Oui. tu te dis, mais à quel moment l'âme, elle a voulu que je vive ça? L'âme, elle n'a pas voulu que tu vives ça. Mais elle a voulu que tu vives une certaine énergie. Et c'est ton positionnement, c'est les choses que tu as faites, voilà, qui ont fait que ça s'est passé comme ça. Et c'est de comprendre la différence entre la projection, le contexte et l'énergie. Et des fois, ben, le contexte, il est le résultat d'un ensemble de choix. Et c'est à ce moment-là qu'on choisit que ça nous arrive. C'est pas au moment. L'âme, elle a besoin de vivre une expérience en particulier, puisque ce qu'on appelle l'âme, c'est la résultante de toute la programmation génétique, ADN. Et donc l'ADN, il a besoin, ben, je sais pas moi, de régler le problème du corps. Tu vois, il y a un problème dans le corps, il y a un souci. Et justement, il déclenche ensuite l'ensemble des événements, aussi terribles qu'ils puissent paraître. Et c'est pour ça que souvent, moi, dans mes coachings, je disais. Ne juge personne parce que s'il faut, dans ton âme, il y a des choses encodées qui sont pires que ce que tu as subi. Et que finalement, ce qui t'arrive là, c'est pour nettoyer ce que tu as fait. Mais là, il faut penser âme. Et la pensée de l'âme est vraiment différente de la pensée de l'ego, parce qu'à ce moment-là, la pensée de l'ego ne peut pas comprendre ça, parce qu'elle a vécu quelque chose de terrible. L'ego, il a vécu quelque chose de terrible, et c'est terrible, c'est inacceptable, c'est tout ce que vous voulez. Mais quand on pense âme, on pense expérience. L'âme, elle ne subit rien. C'est pour ça, tout à l'heure, Tamara disait, l'âme, concrètement, hein, il faut être abrupt des fois, elle est dans son petit fauteuil avec sa manette et elle joue aux jeux vidéo. Et vous êtes le gars qui est en train de s'éclater contre les zombies. C'est ça. D'accord? Et il faut vraiment comprendre ça. L'âme, elle ne subit rien. Donc elle, quand elle... Et elle n'a pas le corps de souffrance. Donc elle, quand elle envoie un événement, quand elle projette un événement, elle n'a aucune idée, mais aucune, hein, de ce que vous ressentez vous dans le corps. Elle Mais est déjà, complètement détachée. aucune idée dans le corps physique, aucune idée dans le corps émotionnel, Rien psychique. du tout. Mais en plus, comme tu le disais, pour être encore plus précis, puisqu'on est sur ce sujet-là, elle n'envoie pas un événement. Elle envoie une information vibratoire. Et que le Et selon contexte transforme laquelle ensuite. je suis moi, et avec mon ego,
Cette information va arriver jusqu'à moi selon telle expérience, selon telle personne. Mais si moi je suis dans des vibrations, dans des énergies où il y a l'amour de soi, C'est ça. cette leçon, je la Ça n'arrive prendrai pas autrement. pas par le viol, par Oui, exemple. c'est vrai. C'est vrai, c'est Donc, vrai. il y a aussi cette notion-là que les gens ont parfois du mal à comprendre, de dire, ah d'accord, donc je suis responsable. Ok, parce que sur la notion de à quel point je suis responsable, je te rejoins, mais totalement là-dessus, bien sûr. Alors, tu vois, les gens, ils vont tiquer en disant, ouais, mais quand c'est un bébé. Mais oui, c'est pour Mais ça moi, que je ne sais souvent pas. on va faire la distinction entre Mais le là, il y bébé. a un âge d'innocence, il y a un Merci. âge de raison et il y a un âge de responsabilisation. C'est pour ça qu'à 18 ans, on vous dit que vous êtes majeur, parce que vous êtes responsable. Il y a vraiment trois grandes époques. L'âge d'innocence, bien évidemment, vous n'êtes pas responsable en termes de choix, puisque vous êtes complètement, vous n'êtes pas en mesure de vous défendre. Dans l'âge de raison, on apprend ce qui est bien, ce qui est mal. Et dans cet âge de responsabilisation qui arrive un petit peu après l'adolescence, où on a eu la rébellion, il y a une petite étape entre les deux, mais c'est à ce moment-là que oui, on est responsable de la vibration dans laquelle on est. Parce que ce que l'âme projette, c'est la vibration dans laquelle vous êtes qui va le manifester. Et malheureusement, des fois, la manifestation, moi, des fois, je me dis, Dieu, il est un peu comme Netflix. D'accord? L'univers est un peu comme Netflix. C'est-à-dire qu'il crée des histoires. Vous êtes comme un livre. Il crée des films. Mais suivant la vibration dans laquelle vous êtes, vous allez vous retrouver dans les films d'horreur. Ou suivant la vibration où vous êtes, vous allez vous retrouver on va dire, dans les histoires à l'eau de rose. D'accord? Ça ne dépend que de vous. Et c'est dans ce sens-là que vous êtes responsable. Et c'est dans toute cette responsabilisation consciente que, bah qu'à travers cette formation, on vous envoie justement des petites pistes de, du coup, s'il y a quoi que ce soit qui ne va pas bien dans ma vie, parce qu'en fait, moi, je voulais être dans un film à l'eau de rose, qu'est-ce qui se passe? Je suis dans un film, il y a carrément des zombies, c'est quoi le problème hein? Bon, et ben bah, c'est quoi le problème? C'est moi. Voilà, je voulais C'est choquer toi. personne, et je me tais. Hein? J'ai dit je voulais Oh. choquer personne, mais je me tais. Mais Alors, l'avantage de ce format, c'est que même si on les a tous choqués, on le sait pas. c'est ça. Allez. On continue à les choquer un peu plus. On est tous la mâchoire par terre. On n'était pas prêts. Non, pardon, ouais, parce que je voulais y aller doucement, mais là, bon, du coup, on a ouvert la porte, on y va, c'est pas grave. On est tout à fait capable de recevoir tout ça, je l'espère. Je voulais simplement pas envoyer trop d'un seul coup sur ces concepts-là, puisqu'on y est, c'est que c'est juste et que c'est à sa place, c'est au bon moment. Donc, est-ce que c'est déjà un petit peu plus abordable que cette pratique de Ho'oponopono en conscience, où je vais essayer de faire cet exercice de sortir de mon petit moi, là, et de mon corps de souffrance, etc., pour envoyer ces paroles qui, bah justement, puisque je ne sais pas, j'ai envie de vous dire, puisque je ne sais pas trop, hein, ça ne me coûte rien, de l'envoyer. Ok? Donc, même à quelqu'un qui est décédé, même à quelqu'un qui n'est pas présent, je vais essayer simplement de me brancher. Donc, encore une fois, si moi, ici en bas, c'est compliqué, je vais me brancher d'âme à âme. Donc, dans la représentation de notre relation à toi et à moi, dans cette vie-là, c'est moche. Il y a eu beaucoup de blessures, des engueulades, des coups dans la gueule, des tout ce que tu veux, c'est pas joli. Ouais. Ou de la déception, hein. Des enfants par rapport à leurs parents, ça arrive souvent avec un lot là de c'était pas le papa idéal, c'était pas ma mère idéale, oh là là, ça m'a tellement réduit, machin, machin. Bon, on monte, on monte, on monte tout ça sur le plan de l'âme, mais c'était qu'une, comme vous dit Cyril, c'était qu'un scénario en fait. Dans le prochain scénar, on sera complètement en train de jouer une configuration différente. Hein. Donc ce Ho'oponopono, c'est un petit peu l'éponge, je nettoie. Je nettoie. Ce qui est de cette vie reste dans cette vie. Je ne le transporte pas avec moi pour les vies suivantes. Je ne crée pas de dette karmique. Je ne me crée pas de blessures supplémentaires. Puisqu'avec je suis désolée, pardonne-moi, c'est vraiment je paye mes dettes si j'en ai. Ouais. Je t'aime, merci. Je t'absous des tiennes si tu en as. D'accord. Si je devais le synthétiser ou le simplifier encore plus, ce truc-là. Ouais, Ouais. voilà, ça, du coup, ça me semble plus clair, là, oui. C'est accessible pour tout le monde? Ou est-ce qu'il y a encore des personnes pour qui... Ouais, je comprends ce que tu dis, mais là, moi, quand je pense à tonton Henri, j'y arrive pas. Parce que je suis trop blessée.
Si c'est le cas, envoyez un petit mail parce qu'on sera sur du cas par cas Oui. et on essaiera d'explorer, ok, qu'est-ce qui fait que je ne peux pas monter dans une vibration d'amour comme ça, que ce soit pour moi ou pour les autres, d'accord? Ce que je peux, et on finira là-dessus sur l'Oponopono, ce que je peux préconiser, c'est que, ok, observez justement, j'ai du mal à l'envoyer à tonton Henri, j'arrive pas, c'est trop dur, j'ai de la colère, j'ai de la tristesse, j'ai tout ça, j'arrive pas. Bon, ça veut dire que là, je suis vraiment victime de ce qui se passe dans mon ressenti, dans ma vérité, dans ma croyance. Je ne peux pas offrir du pardon, du merci ou du je t'aime tant que je me considère à ce point victime, victime, victime. Alors c'est moi qui ai besoin du Ho'oponopono peut-être, plus que jamais. Donc plutôt que d'essayer de cette pratique envers tonton Henri, parce que ah, j'arrive pas, parce que je me souviens, tonton, puis moi, tu me plus puis c'est moi la victime, je suis pas lui, gna gna gna. C'est pas condescendant hein, quand je vous fais ces petites manières-là. Hein. C'est pour vous inviter à aussi sortir. Parce que c'est pas parce que j'ai vécu quelque chose de affreux, minable, quelle que soit le registre des 5 blessures de l'âme, que toutes les fois que je vais y penser ou je dois en parler, oh, ça va quoi. Ok, ça va, on peut parler des choses aussi sans apporter, justement. On est sur cette conscience de quoi sont chargés mes mots. Mes mots, ils peuvent être déjà lourds de sens. Je me suis fait violer par tonton Henri, quoi. Ok? Le mot, il est déjà lourd de sens. Est-ce que je suis obligée de... Ok? Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus dans l'émotion. Ils sont plus dans l'émotion, ils l'ont déjà dépassé. Sauf qu'ils revisent, ils sont restés coincés dans le personnage de la victime. Donc même s'ils ont plus l'émotion qui vont avec, c'était peut-être un sujet un peu borderline, le viol, je suis d'accord, mais... Oui, c'est un Et oui, sujet. mais pourtant... Mauvais exemple. Eh ben non, en fait. En vrai, non. Hein. C'est nous, dans notre société, qui disons « Oui, mais quand même, ça cause un viol, blablabla. » Non, en fait, c'est exactement comme n'importe quelle autre blessure. Faut arrêter. Quelqu'un qui se fait exciser, je suis désolée, hein, sur l'échelle, tu vois. Une femme qui se fait exciser, en viol, tu en veux des atrocités minables. On est capable, en tant qu'humain, de faire des choses, hein, vraiment, vraiment. Il n'y a pas d'échelle à l'atrocité. Donc, oui, ok, pourquoi pas. En même temps. Ok. Ah, oh, ça m'a perdu 2 secondes. Bah, du coup, tu disais que si c'était vraiment trop, 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 trop dur de Oui, l'envoyer voilà. à ton machin, on se l'envoie à soi, quoi. Se l'envoie en soi, on se l'envoie à ça. C'est-à-dire qu'avant, vous savez, cette phrase qu'on a tous déjà entendue, pour aimer l'autre, il faut d'abord que je puisse m'aimer moi. Bon, bah là, on est juste confronté à ce problème-là. Je ne peux pas du tout l'envoyer à tonton Henri. On est où face à toi? Avec toi-même. Donc là, on sera peut-être plus sur des cas particuliers où il y a beaucoup d'affect, beaucoup d'émotionnel. Donc vous m'envoyez un petit mail, vous m'envoyez un petit message si vraiment il y a des personnes dans votre entourage, vivant, non vivant, pour qui, donc ok, j'ai bien compris, ça se passe d'ama, mais malgré ma compréhension, moi ici en bas, ou alors je vais les dire, mais ces mots-là, je les dis, mais comme passe-moi le sel, merci quoi. Ouais, merci. Voilà. Je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ah oui, ça aussi. Oui, bon, ça va, merci. Je ne suis pas en train de dire merci là. Je suis en train de dire ta gueule. Hein. Oui, bon, bah ça va, ta gueule. Pareil. C'est pas le mot merci qui est dit là. D'accord. Donc si je lis mon ponopono et je fais ma pratique en me disant ouais, bon, ça va, je suis désolée, pardonne-moi, je t'aime, merci. Ouais. Est-ce que vous la sentez là? Ah oui, non, ça ne sonne pas pareil. Tu ne peux pas parler du tout. Bon, alors du coup, et pour finir. On verra un petit peu plus loin le silence quand on va travailler sur la maîtrise de nos pensées. C'était vraiment très tentant pour moi que de vous proposer, bah, si vous ne savez pas utiliser pour l'instant des mots magiques ou faire la parole impeccable ou apprendre à écouter, bah, contentez-vous de vous taire, ce sera déjà bien. Pardon, je suis trop méchante. Mais les blagues à part, non mais sans rire quand même, pour de vrai. Donc je vous ai mis une petite liste, c'est vraiment plus de l'humour qu'autre chose. Je vous ai mis une petite liste de tout ce qui, tous les mêmes messages qui nous disent la même chose, tais-toi quoi, en gros. Je crois qu'il y en a une que j'ai pas mis là. Non, il y en a une que j'ai pas mis dans ce diapo, mais qui pour moi est une des plus précieuses pourtant, si ce que tu as à dire n'est pas plus important que le silence, tais-toi. Ce sera la conclusion de cet atelier. C'est pas faux. Ok, ça va? Oui, Ouais. ça fait pas mal de choses à intégrer, je pense. Tu trouves que ça fait beaucoup là d'un coup? Non, Je non, sais c'est pas. pas que ça fait beaucoup, c'est que ça fait
C'était super intéressant, mais du coup, on a abordé pas mal de choses nouvelles. Et finalement, en tout cas, personnellement, ça m'a remué pas mal. Ok. Donc, il va falloir que j'intègre tout Bon, ça. c'est vrai qu'on a fait un aparté avec ces notions d'âme. C'était pas prévu sur le cours d'aujourd'hui, mais de toute façon, à un moment donné ou un autre, on va y aller. Hein, donc, j'ai beau freiner, ralentir, c'est là où on va. Hein. Si on synthétise un petit peu cet outil, d'accord, cet atelier. Donc, il y a le mémo normalement qui va arriver ou qui est déjà arrivé sur les écrans. Ouais, on l'a là. Allez. Donc, mémo magique. Pour travailler sur cet aspect-là de la formation, on va se rappeler et réactualiser, c'est pas si loin que ça. On utilise un langage approprié à l'inconscient. Je prends conscience de l'intention, l'énergie dont je remplis mes paroles. C'est OK pour tout le monde, ça. L'intention, l'énergie dont je remplis mes paroles. Je comprends leur influence sur leur monde comme sur moi-même. C'est-à-dire que je vais arrêter de tout passer par mon prisme à moi, je vais commencer à prendre en considération la personne qui est en face de moi. Même si ce que j'ai à dire est très juste et très valable, je ne vais pas le dire de la même manière si c'est un papy de 80 ans ou si c'est un enfant de 4 ans. Ou si c'est un adolescent qui est en crise et qui est en rébellion. Ou si c'est quelqu'un là qui est très blessé, puisque ce que je vais lui apprendre, ce n'est pas une bonne nouvelle déjà. Je prends en considération l'autre. D'accord? Et à travers cet exercice, je vous demande vraiment de prendre en conscience la façon dont vous vous parlez à vous-même. Donc, c'est quoi l'influence de ces mots-là quand je me parle à moi-même? Tu sais, ces petites distorsions qu'on peut tous avoir. Des... Oh, je suis con! Prends conscience de ce que tu es en train de te dire, là. Ouais. Oh là là, qu'est-ce que je suis con, j'ai encore oublié ce truc-là. Attention, hein, on prend la peine de les écouter et on essaye de conscientiser sur qu'est-ce que je suis en train de m'envoyer là? Ça va Ah, créer mais c'est quoi? pas vrai, je suis trop nulle. Oh Ouais. là, c'est pas possible, je suis bonne à rien. Oui. Bah ouais, ma petite cellule, elle fait merci, j'en reprendrais bien une petite louche. Ou qu'est-ce qu'il nous a? Tu vois, vraiment, ça a été spontané tout à l'heure, hein, quand tu as lu le Ho'oponopono, vraiment spontanément, il y a tout mon corps qui fait moi encore, c'est trop bon. Miam, merci. D'accord? Alors que si, oh, je suis trop con, je suis stupide, je suis pas sûre que la cellule a dit si tu m'en resserres encore une petite louche, c'était bon ça? Pas sûr. Faites vos observations, vous m'en parlerez. Donc, on va regarder on va s'appuyer, d'accord, sur ces trois outils. Je suis sceptique et j'apprends à écouter, qui nous fait partie des accords Toltec. Donc, j'écoute prioritairement ce que je ressens. Prioritairement ce que je ressens. Ça peut vous sembler un peu du charabia, on va y aller un peu plus loin. J'offre une écoute active et bienveillante. D'accord. Ma parole est impeccable, donc un des autres accords Toltec. Je parle avec intégrité. Je ne dis que ce que je pense vraiment. J'évite d'utiliser la parole pour m'exprimer contre moi-même ou pour médire d'autrui. Et j'utilise la puissance de la parole dans le sens de la vérité et de l'amour. Utiliser la parole dans le sens de la vérité et de l'amour, on ne l'a pas détaillé dans la matière, dans le concret. Bah déjà, je vais continuer à utiliser mes trois passoires. Hein. Donc, si c'est pour divulguer du ragot, de la médisance, je ferme ma bouche encore une fois. Par contre, la vérité peut délivrer, peut rassurer, peut corriger, peut réparer, peut guérir. On n'a pas parlé aujourd'hui dans cet atelier, mais on pourra se poser la question, est-ce que toute vérité est bonne à dire? À qui, dans quel cadre, à quel moment, à quel prix? Je laisse les questions ouvertes, ça m'intéressera d'avoir vos retours à travers les expériences d'abord. Et utiliser la puissance de la parole dans le sens de l'amour, bah concrètement, au Ho'oponopono, on y est. Hein. Là, c'est vraiment ça. Utiliser la puissance de la parole dans le sens de la vérité et l'amour, ça veut dire que quand je vais utiliser ma bouche, quand je vais utiliser mon verbe, mes mots, je vais m'assurer quand même que ça apporte un petit peu plus de vérité ou un petit peu plus d'amour dans le monde. Je peux me donner ces axes-là. Est-ce que j'ai à dire va apporter un peu plus de vérité et plus d'amour? Ou est-ce que ça en enlève? Bon, dans ce cas, je me tais. D'accord? J'utilise Ho'oponopono, donc on l'a vu, je suis désolée, je te demande pardon, je te remercie et je t'aime. Miam, encore. Miam encore, t'as vu, ça fait plaisir encore. C'est bon ça. C'est bon ça. Ça va? Ça va, on les a pas perdus? Vous êtes encore là ou vous êtes tous mourus?
Alors non, mais si, ça s'active quand même pas mal. Benjamin nous fait festival de Oui, blagues. Benjamin, il est là, il est Oh, mais partout. je les vois les blagues. Et c'est super frustrant parce que moi, derrière mon truc, là, d'habitude, je peux lire les blagues de Benji en étant dans le chat. Là, en étant en côté, c'est moi qui fais l'atelier. Je suis complètement coupée des blagues. Benji, Tu ça me manque, tes blagues. peux mettre sur ton YouTube de ton téléphone. Et... Attends, déjà, j'arrive pas à enlever le micro, à partager l'écran. Mamie quantique, c'est pas se Chacun ses servir domaines de de son compétences. téléphone. Sur ton téléphone, moi j'ai c'est sur mon téléphone le chat. Bon, moi j'ai quatre écrans, hein, d'accord. Mais Voilà, c'est voilà, pas le tu peux le mettre sur le tout. téléphone. Alors, en fait, tu te fais un petit peu charrier parce que tu Tu t'es t'es perdu perdu entre entre les les Henri Henri et et les les André. André. Et que Ah du oui, coup, il y a Benjamin Benjamin qui qui dit, dit, ouais, ouais, c'est c'est Henri Henri André. André. En En fait, fait, car car ça ça se se passe passe dans dans une une famille famille catho. catho. Je m'appelle Rapidio, Henri. pardon, pardon, ma parole n'a pas été impeccable. Mais c'était des jumeaux en plus. Oh merde. C'est C'est pas pas possible. possible. Ils sont vraiment. Avant ça, il a dit qu'en premier, lui, il aurait tapé tonton Henri et puis après, il aurait fait Ho'oponopono. Bon, après. Ouais, tu jouais ou le castrer, tu peux aussi. Voilà, après, il dit que sa parole n'a pas été impeccable. Il dit merci, puis il dit que ne pas dire merci, c'est un crime. Et Harmonie qui relance en disant Disant que que merci merci et et crime, crime, ce ce sont sont les les mêmes mêmes lettres. lettres. Oui, je pense que c'était volontaire de la part de Benji, la dernière petite phrase. Donc, bien vu de la part de Françoise, qui est cachée derrière Harmonie, de l'avoir décryptée. Mais ouais, c'est du jeu de mots à la Benji, ça, tout à fait. Ok, bah merci les copains d'être présents dans le chat, d'avoir écouté, reçu. J'attends bien sûr vos retours. Merci aussi de continuer à m'envoyer les carnets de route et de vous donner cette chance aussi de faire du retour par écrit, malgré les réticences de certains. Merci de la confiance que vous accordez à cette méthode et à cette formation. Donc voilà, on se retrouve dès la semaine prochaine s'il n'y a pas de souci, puisqu'on va faire la mise en pratique de cet atelier-là. Donc on va s'intéresser justement aux travaux du professeur Elmoto et on va s'intéresser à l'élément O qui nous constitue majoritairement. Donc dans ce je suis qui, comment ça fonctionne moi, comment je fais pour être bien dans ma vie ou pour être heureux en étant incarné dans un corps humain, et bien c'est quoi un corps humain? C'est de l'eau. Donc la semaine prochaine, on va s'intéresser à la mémoire, à l'intelligence de l'eau, et ça va nous permettre de mettre en pratique justement les mots magiques et de l'observer sur l'eau. Voilà. L'eau, homéopathie. Mais l'eau, tout ce que tu veux. Parce qu'avec eau, tu peux en mettre beaucoup derrière. C'est vrai. C'est vrai. Bon, on va pas finir de les choquer tout de suite, hein. Petit à C'est petit. ça. Un choc Oui. frontal par soirée. Moi, je leur ai promis de les choquer petit à petit. J'ai dit, on va y aller doucement. Puis le début, C'est je dis, on bien. y va doucement. Tu vois, c'est pour pas faire peur. C'est bien. Très très bien. Bon, mais merci beaucoup. Merci Merci Laetitia. beaucoup. Oh, merci. Bon, je vous avoue que moi, j'ai été lâchement abandonné par les deux princesses. Oh, parce que bon, et après, boum. J'espère. Là. Ah ouais, mais c'est ça quand t'allaites, hein. Tu te rends pas compte, tout d'un coup, boum, tu piques du nez avec le bébé. Puis, hein, enfin, je les décolle. Tu leur feras plein de bisous pendant leur dodo. Tu leur murmures du Ho'oponopono pendant qu'elles font dodo. C'est ça, c'est ça. De toute façon, je suis obligé avec madame. Hein. Merci, pardon, désolé. Le matin, je me lève. Pour être j'ai dit C'est pas pardon, bon. désolé. Pourquoi? Bah, je sais pas, comme ça. Voilà. Bon, Hein? après, C'est je tout. t'aime, merci. Hein, quand je vois le petit être là, tu peux dire que merci. Hein, c'est magnifique. Bah oui. Hein? Il n'y a aucune raison nécessaire pour ces mots-là. C'est ça, c'est ça. Et alors, ben voilà. Et bonne soirée à tous. Alors, bon, de toute façon, je crois qu'il n'y a qu'un seul archiviste, c'est Benjamin. Alors, Benjamin, demain, Jean Topard n'est pas là, donc on fera le Kybalion vendredi. Hein, comme ça, pour ceux qui, au passage. Et pour tous ceux qui nous ont suivis pour ce nouvel atelier de la formation de Tamara, merci d'avoir participé. N'hésitez pas à poser des questions à Tamara, hein, directement dans sa boîte email, n'est-ce pas? Et n'hésitez pas, surtout, à faire vos devoirs, hein, parce que ça, c'est important. C'est ça. Voilà. Pratiquer, pratiquer, pratiquer. Pratiquez, C'est ça. pratiquez, pratiquez. Et Ben puis il y a bonsoir à aussi tous. le groupe Oui. sur Messenger aussi, où si de temps en temps on a envie de s'échanger des petites choses.
des petits trucs, astuces ou des Voilà. retours qui est pas mal aussi, je trouve. Le Snapchat Be Human, de Instagram, tout, vous y allez. Oh, tout ça, je suis vraiment pas au niveau, mais effectivement, sur Facebook, il y a un groupe qui s'appelle Aldébaran, je crois, Voilà. Bioman Sinon, il y a le 3615 Tamara aussi. Tout ça. Aldébaran. C'est pas la même chose. C'est plutôt Les notre pigeons époque, ça. Hein? voyageurs, 3615. Tout ça. Ouais. Les pigeons voyageurs, je reçois aussi, donc. Les tam-tam, tu reçois? Oui, tam-tam, c'est toi, en Bah, fait. attends, c'est moi qui les fais. Ah, ça va un Si tam-tam. tu savais. De choses, bah oui, si tu savais. Ça va un Toute la famille tam-tam. sur Montpellier s'appelle Tam, quand même, pardon. Ah ouais, bon, ben voilà, On quoi. se déplace grâce à Tam à Montpellier. Ah Bah. ben, c'est très bien. C'est très bien. Eh bien, merci à toutes et à tous. On va arrêter le streaming maintenant. Mais bonne soirée et on se retrouve. Donc, la prochaine. C'est quand la prochaine fois, Tamara? Mardi prochain. Ben, on se retrouve la semaine prochaine. Même bat heure, bat channel. Allez, bye bye. Ciao, Au ciao. revoir.